Salut à tous, c'est Monsieur Magic Arena FR, comment ça va fou Ça va très bien toi Ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous débriefer tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été dit, montré, révélé lors du stream, du coup de la veille, si vous regardez cette vidéo le vendredi, le jeudi à 18h. Euh, il y a eu un live de la part de Wizard, du coup, qui s'appelait Wizard Presents 2022, euh, où il parlait de Magic et de Donjons et Dragons. Ici, on va pas parler de Donjons et Dragons, même si si ça vous intéresse, je vous recommande d'aller voir le live ou le recap des annonces Donjons et Dragons, notamment les illustrations qui sont juste exceptionnelles. Vraiment, c'était magnifique à voir. Euh, mais là, on va parler que de ce qui concerne Magic du coup, qui était, euh, je dirais, 70% du live. Donc, il y a quand même pas mal de trucs à se mettre sous la dent. Avant d'en parler un peu plus, pouce bleu, anticipation de confiance. Merci beaucoup à ceux qui y pensent. Si euh, vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire via nos sponsors qui nous soutiennent également. Playing by Magic Bazaar, code Valley'pal 2022 sur leur boutique. Ça vous donne 50% de votre fidélité et ça nous soutient quand vous utilisez le code. Donc merci à tous. Et merci à Instant Gaming. Le lien d'affilée dans la description. Si vous passez par ce lien pour acheter vos jeux sur le site, euh, ça nous soutient. Et en plus, ils sont pas chers sur le site Instant Gaming. Donc ça fait plaisir. Merci, ouais, merci à, à tous. À ce live du coup, il a duré une petite heure euh, 20 environ avec plein de dingueries. On va vous présenter tout ça avec l'article qu'on vous met en description. Alors l'article actuellement est en anglais mais peut-être qu'au moment où on sort cette vidéo, il y a la traduction en français, je ne sais pas. En tout cas, si vous regardez cette vidéo, vous aurez quasiment... Toutes les infos déjà euh, en main. On commence du coup avec quelques infos sur Dominaria United. Une petite vidéo que je vous laisse aller regarder. Elle dure vraiment 30 secondes. C'est un petit teaser sur ce qui arrive à Djani. Euh, et du coup, bah, cette bah, vidéo. vous pouvez couper maintenant si jamais vous ne voulez pas savoir, aller voir la vidéo et revenir. Parce que je vais vous dire ce qui se passe. En gros, Jani, c'était un agent endormi euh, des Firection, Et du coup, il a été complété comme Tamio. Et c'est devenu un Plains de à moitié Firection, du coup. J'espère ne pas dire d'énormité. Les gens qui regardent le lore me euh, prennent leur tête dans leur main en disant Mais qu'est-ce qu'il raconte C'est pas ça Mais je pense que c'est quand même ça, puisque c'est ce que la vidéo sous-entend fortement. Et du coup, on a la carte révélée d'Adjani en Firection, qu'on vous montrera tout à l'heure. Si vous voulez voir directement les premiers spoilers de Minaria, vous passez en deuxième moitié de vidéo euh, pour du coup euh, directement voir les cartes euh, qui ne sont pas dans l'article, qu'on traite à part. Plein d'illustrations ouais. aussi sympas qui ont été montrées, même d'illustrations de cartes qu'on n'a pas encore, euh, notamment sur ce qui arrive à un autre Planeswalker que je révélerai tout à l'heure pour ceux que ça intéresse. Donc, encore une fois, vous pourrez couper si vous ne voulez pas savoir. On a euh, l'intérieur des boosters. Bon, ça, c'est toujours complexe. Euh, en gros. Euh, faut, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des cartes Legends dans les boosters collector, on le savait déjà, 3% de chance. Ouais. Et il y a euh, forcément une carte légendaire par booster draft. 75% du temps, c'est une Unco. Et 25% du temps, c'est une rare ou une mythique. Parce que c'est un petit peu le thème euh, d'avoir des cartes légendaires euh, sur l'extension. Ça veut dire que tu as un slot rare et mythique supplémentaire 25% du temps Et ils n'ont pas dit. Donc je sais pas si ah. la rare, un booster sur 4, est légendaire ou s'il si y a une rare en plus. Il... Ou si t'as une rare en plus qui peut être 25% euh, du temps, bah du coup euh, Si c'est si comme d'hab, c'est une carte de plus. Mais le okay, fait que ce soit dans bon. les boosters draft, euh, c'est un peu bizarre d'avoir deux rares dans un booster euh, qui ne soit pas foil. Ça veut dire qu'avec la foil, tu peux avoir trois rares. Alors ça nous régale nous, mais pour les drafts, ça fait des trucs bizarres des fois. Donc euh... mmh, Ça fait que as plus de rares en draft euh, en moyenne, mais c'est ouais. pas forcément euh, déconnant. Hein. Si tes rares sont bien proportionnés et que c'est pas des chariots des rêves. Euh... On peut drafter avec des rares quoi. Bah, C'est forcément des légendaires, donc suivant le power level des légendaires. Euh... Voilà, ça dépend de leur power level, mais. Ça. Donc je n'ai pas l'info, peut-être qu'ils l'ont donné, mais je vous avoue qu'il y a tellement d'infos qui sont sorties hier que j'ai pas eu le temps de tout voir. Mais, mais voilà. C'est pas très grave. Pour les dates, du coup, euh, c'est euh, les dates qu'ils avaient déjà annoncées, mais je vous les récap' si vous ne les savez pas. Euh, les avant-premières commencent le 2 septembre et ont lieu du coup jusqu'à la sortie, jusqu'au 8. Enfin, peuvent avoir lieu, ça dépend de vos local game store. N'hésitez pas à profiter des avant-premières, c'est toujours très bien. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une avant-première, allez voir notre vlog sur les avant-premières New Capena. On explique ce que c'est on montre un peu l'ambiance à Play-In c'est trop bien. Et du coup, dans vos local game store, euh, à non point douter que l'ambiance est aussi bonne qu'à Play-In. En tout cas, je vous le souhaite. C'est toujours de très bons moments à passer. Et si vous vous mettez au Magic Papier ou si vous voulez vous mettre des collègues à vous, bah c'est le très bon moment pour le faire. Et c'est toujours des moments sympathiques et pas forcément axés sur la compétition. Donc c'est très cool. Ça euh, sort le 9 septembre, du coup, euh, Global Release. Par contre, sur MTGA, ça sort le 1er septembre. Donc on a quand même pas mal de temps avant pour profiter des cartes. Et ça, il y a des gens qui aimaient les pré-release papier avant sur Arena. Euh, là, ils re-switch. Euh, ils font d'abord sur Arena, puis ensuite en papier. Je trouve que les deux sont sympas. Ça permet un petit peu de, de voir ce que valent les cartes, d'être un peu plus préparé pour les avant-premières ou simplement de savoir si on veut précommander ou pas. Parce que du coup, si on peut jouer les cartes, bah, on sait ouais. si on a envie d'acheter les cartes. Donc, c'est pas plus mal. Et euh, on a aussi les dates du game day, du, de la commander party qui n'aura pas lieu dans tous les local game store. Il faut être premium normalement. Et si vous participez à ces euh, premiums, vous avez cette magnifique carte qui est un Dismember en version Firection. La est carte est assez insane quand même. Qui est une très bonne carte en plus. Ensuite, on passe sur Brother Soir. Alors là, désolé, très peu d'informations qui ont filtré. Hein. C'était surtout pour nous le mettre dans le visage en disant Brother Soir arrive dans trois mois. Euh, voilà, euh, une illustration très stylée par contre. Euh... C'est le truc sur Soir. C'est ça. Mais Dominaria, c'est trop bien, c'est que Dominaria, c'est ouf. Et tu sais que derrière, tu as un truc potentiellement encore plus ouf. Mais ils ont l'achat de trois types en mode. C'est pas juste un retour dans le passé, il y a vraiment des trucs très importants liés au lore des quatre extensions qui vont avoir lieu cette année. Euh, okay. Donc entre Dominaria et la dernière extension qui aura lieu un peu plus tard. J'imagine que pour expliquer les faits du présent, on devra se plonger dans ce qui oui. s'est passé dans le passé entre la guerre des deux frères. Et donc du coup, tu auras une timeline dans le présent qui va suivre les 5-7 standards. Ouais. Et on aura ce flashback sur la fameuse guerre d'Urza et Mishra. Franchement. Et tu ça. Pas plus Moi qui connais pas trop le lore euh, Je suppose un truc C'est que là, donc Dominaria c'est bagarre contre les Phyrexians Et toute l'année c'est bagarre contre les Phyrexians euh, Donc Pour bagarrer, on va aller peut-être chercher Avec Brothers War Des artefacts et des grosses machines pour leur péter la gueule Et ce serait ultra stylé Mais je connais pas assez le lore pour savoir si c'est possible Mais ce serait incroyable. Incroyable. Sera incroyable On a le logo de l'extension Qui fait un peu Infinity Même la couleur de, du packaging je trouve on dirait un peu ah, une sensation. Il y a un fun. petit côté, moi, au contraire, mais... euh, Urza Saga, tu vois. Ouais, bah c'est clairement ça. Saga d'Urza, quoi. Mais le fait que ce soit coupé en deux, euh, alors je vois la dualité entre les deux frères, hein, mais ouais. euh, j ai, j ai, ça ressemble au, au logo, je trouve, des, du set, justement, qui sort dans pas très longtemps, oui, euh, fun. Mais, le, euh... le côté rouage, ça fait, ça fait plaisir. Ils savent un petit peu brosser ah, les, bah oui. les boomers que nous sommes dans le sens du poil. Bien sûr, ça, ils, ils savent où, où taper, évidemment. On a le packaging. Euh, D'ailleurs, je crois que le packaging, si je dis pas de bêtises, c'est Magali Villeneuve. Il a fait, enfin pas le packaging, mais le dessin sur le packaging. Elle a pas fait les boîtes. Euh, elle a pas fait les boîtes. Elle s'est contentée d'illustrations et c'est déjà insane. Donc franchement, euh, chapeau. Ok. Euh, Est-ce qu'on a des dates Alors les dates, je sais pas si on les connaissait déjà, mais elles sont disponibles. Du coup, pré-release 11 au 17 novembre, sortie euh, du 18 au 20, game day du ouais. 3 au 11 décembre. Ça, et de toute façon, on le verra dans dans la setline. Ouais. Et du coup, euh, là encore, la Commander partie dans les stores WPN Premium qui sera en décembre. Et ça, ça fait plaisir. Regardez ça. C'est les kits de pré-release, vous choisir entre Mishra et Urza. Putain, c'est incroyable de choisir entre genre la Horde et l'Alliance, tu vois. C'est très stylé. Tu pars, c'est vachement bien. De base, j'aurais pris Urza, mais tu vois, je me dis, est-ce que je prends pas le contre-pied et je prends un petit Mishra, tu vois Ah, je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire, mais là, déjà, j'ai le doute. Alors que l'extension Dominaria. Ouais, Urza iconique. Ouais, voilà. Je me dis, mais du coup, est-ce que tout le monde va pas prendre Urza Est-ce qu'un petit Mish. Ça régale pas. Ah, sûr. le petit miche. Le petit miche. On a eu une nouvelle fournée de cartes du coup promo. Donc, je rappelle, ces cartes-là, il va y en avoir 30 pour les 30 ans de Magic. Il y en aura euh, 3 par pré-release, je crois, ou alors peut-être plus parfois. Mais euh, je ne sais pas quand ça va s'arrêter. Peut-être que ça commence cette année à partir de Dominaria et ça s'arrête à la fin de l'année prochaine. Donc, euh, en 2024, enfin, euh, la dernière extension de, de Standard 2024 qui sortira. Euh, ouais. Parce que du coup, si on a 3 par extension, il va falloir euh, 2 ans pour avoir les, les 30. Euh, vous les aurez. Alors je sais pas si c'est dans les boosters ou si c'est juste en participant à des avant-premières. Je crois qu'ils n'ont pas encore dit, mais c'est par contre dans les avant-premières, ça c'est sûr. On a le Wall of Fruit qui est une excellente carte, Wood Elf qui est aussi une excellente carte et Windfall qui est une carte que je joue mais qui est moins excellente pour le coup. C'est un peu plus corner. En tout cas, les artworks ouais. sont très stylés. Après, c'est uh, un, un peu ma de Magic Windfall, c'est une carte qui est bien connue, qui oui. a été jouée à différentes époques. C'est un bon, c'est un bon hit, quoi. C'est ça. Mais disons que Wall of Fruit et Wood Elf, c'est encore joué. Winfall ouais. ça allait quand même beaucoup moins. Mais, euh, non. mais trois cartes sympas, moi je vais récupérer sa forte, de toute façon, je vais essayer de récupérer toutes les cartes. Et il y a une ouais, autre pas. carte qui a été révélée, mais je ne sais pas si c'est un leak ou pas, du coup vu que c'est pas dans l'article, on va pas en parler. Mais c'est une carte qui serait euh, une carte blanche euh, en chinois traditionnel. J'en dis pas plus, mais du coup, comme il y aura des cartes euh, disponibles qu'en certaines langues étrangères, celle-là sera uniquement dispo en chinois traditionnel. Okay. Euh, du coup, assez ouais, stylé, mais je ne, je ne sais pas quelle est la carte. Ensuite, on arrive sur l'extension, du coup, la première extension de 2023, Phyrexia All Will Be One, quel titre exceptionnel, et euh, ils ont bien compris que Magali Villeneuve, tout le monde l'appréciait, puisque c'est elle qui s'occupera, enfin, qui s'est occupée de l'artwork de Elish Norn, euh, divin. Ça, c'est le kiff, quand même. Classico, bingo, euh, magnifique, et on voit énormément d'illustrations de Magali Villeneuve poppées partout, et ça régale. Ça régale, ça va peut-être être, être la, la nouvelle artiste qui, pro, qui aura fait le plus de dessins pour Magic, il manque quand même 200-300 illustrations pour rattraper les premiers, mais on espère. En tout cas, ça ferait plaisir. Et Elle prend la direction d'être un peu la, la, la figure de proue, un petit peu de l'illustration magique, en tout cas des temps modernes, quoi. Ouais, ouais, clairement, clairement. Du coup, on a cette extension qui va arriver pour la première extension du coup de l'hiver 2023. Et euh, donc pas d'autres infos, évidemment, comme c'est la une extension qui arrive dans trois extensions, on a juste le nom et une petite illustration. Et l'extension d'après c'est March of the Machine, très très stylé la conclusion du coup de euh, cet arc en quatre euh, extensions du coup donc qui commence à Dominaria et qui finira avec March of the Machine, très stylé avec le petit Firex, le symbole firexion dans, dans le haut, une police très Marvel Avengers. Donc on est en mode c'est la bagarre, tu vois, c'est l'air du Ultron. Il y a un côté un peu War of the Spark, je trouve comme résolution ouais. d'un énorme arc avec beaucoup de protagonistes intéressants. Ah clairement, clairement clairement, on a les Chenors dans fond, devant, enfin dinguerie euh, du coup, si y a Teferi comme ça, je suppose que Teferi ne va pas être complété. On va garder notre Teferi classico. En tout cas, j'espère. Ah, moi je les aurais tous complétés là. Bah ben du coup, euh, Allez hop, Magic, poubelle, là, tout Magic change. Euh, et, autre nouveauté, et on n'a pas encore assez d'infos là-dessus malheureusement, c'est ce que j'étais le plus curieux parce qu'on savait déjà qu'il allait y avoir ça, mais on a un, du coup un, une extension épilogue, euh, March of the Machine, The Aftermath, qui va du coup... Euh, bah, être un épilogue et présenter ce qui se passe après euh, March of the Machine et ce serait une petite extension donc okay. euh, je ne sais pas quelle forme ça aura, petite extension signifie certainement qu'on ne pourra pas la drafter puisque, bah, il faut un certain nombre de cartes pour pouvoir drafter une extension, ce serait peut-être une extension avec euh, genre euh, entre 100 et 150 cartes, tu vois, assez peu ouais. euh, je ne sais pas du tout, on n'a pas d'infos là-dessus mais je suis très curieux de savoir ce que ça va drafter, être peut-être avec March of the Machine ouais, euh, peut-être que ensuite, ça va se rajouter booster, un booster ou un Exactement. booster de booster Peut-être une extension qui ne se draft pas seule. Enfin, on verra. En tout cas, ce ouais. sera une extension standard qui sortira peu de temps après, logiquement, euh, March of the Machine. Trop oh bien. Euh, quand je dis peu de temps, c'est entre un et deux mois après si les dates sont, euh, sont les bonnes. Donc, euh, on va donc, dire euh, que ça ouais. fait une grosse extension coupée en deux. Ouais, c'est un peu ça. Mais du coup, ça fait une énorme extension coupée en deux. Enfin, coupée en mmh. un tiers, de tiers, je pense. C'est ça, ouais. Oh, c'est cool. que euh, hâte de voir ça. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est là qu'ils le disent. Mais à un moment, ils en ont parlé du coup pour les deux extensions dont je viens de parler. Euh, ils disaient que ça va changer le paysage de Magic à jamais. Donc je sais pas si c'est en termes de lore, en termes de, de design, de mécanique, de. Nouvelle frame, de, de frame, de. Et ouais. De, je sais pas, vous voyez, mais. Ils ont changé cas... de frame en 2003. Magic est sorti en 93. On sera en 2023. Ça, ça peut. Je pense qu'il est Ça peut, ça peut. Retour sur du old frame, let's go, la dinguerie. Euh, en tout fou. cas. Très hâte de voir ce que ça, ça sous-entend, ça. Ça peut être juste changer le lore et ça serait déjà ouf. Moi, ce que je vois bien, en termes de, de lore, en tout cas, ce serait grosse bagarre et personne gagne, tu vois. Genre, les Plains coeur euh, ils combattent les Firections et ils ont chient. Ils gagnent un peu, mais ils perdent quelque part. Et les Firections, ils gagnent un peu, ils perdent quelque part. Et du coup, en fait, l'arc n'est pas fini et il faut aller recruter pour péter la gueule aux Firections. Et du coup, en fait, on continue, tu vois. Je, je, je crois pas sérieux. que ça soit une histoire de lore, parce que sinon, cette phrase, tu aurais pu la dire à la fin de War of the Spark, qui a clos le plus gros épisode euh, de, de Magic de tous les temps. C'est vrai. Alors, un truc sur 20 ans et tout. Et donc là, c'est pas sur 4-7 que tu vas clore euh, l'histoire la plus importante, tu vois ce que je veux dire ouais. Pour moi, c'est vraiment dans ou dans les mécaniques de Magic, je sais pas, l'introduction d'une sixième couleur, j'exagère, ça n'arrivera pas, n'ayez pas peur. Mm. Ou alors vraiment un changement de frame, quoi. Je vois ah, plus ça. C'est ça. Et ça va finir avec Magic changer à jamais. Donc euh, en tout cas, ça tisse un truc incroyable et je trouve ça fou qu'avec 30 ans d'existence, on te sort une phrase euh, avec juste quelques mots et t'es en mode ouais, ouais dingue, ouais, je veux trop -ce savoir qu -ce, ce qui peut se passe. Qu'est-ce peut se changer de... je veux dire, qu'est-ce qui peut faire de plus impactant que la fin du lore de War of the Spark C'est pour ça que pour moi, ça peut pas être du lore ou alors le le, le, le terme est un peu galvaudé, tu vois là ici. Ouais, en si c'est du lore. En tout cas, vu qu'on a les deux extensions d'après euh, qui sont des retours sur des plans. Euh, je... C'est dur de savoir ce qui va se passer, puisque du coup, la, la storyline, on va la laisser un peu telle qu'elle et on va juste voir d'autres plans en attendant. On, on va peut-être pas voir les conséquences directes de ce changement de suite en plus. Mais okay. juste ça sera bon, peut-être on, on peut que spéculer de toute façon. Exactement. Retour du coup sur un plan Wilds of Eldraine, très stylé. Moi j'aime beaucoup les retours sur les plans, surtout sur des plans comme ça, euh, aussi iconiques. Rassurez-vous, oh, ce ne sera pas, enfin normalement ce ne sera pas aussi pété, puisque euh, le fait que le Eldraine était très puissant, c'était une philosophie de design, d'extension et de cartes. Ça n'avait rien à voir avec Eldraine vraiment. C'était juste à un moment donné que Eldraine euh, est arrivé en même temps que ça. Donc ce ne sera pas euh, aussi puissant. En tout cas, c'est pas censé et euh, ce sera un focus on aura un on a eu un petit peu plus de tips là-dessus euh, non pas sur les, euh, les châteaux euh, la monarchie d'Eldraine euh, tout ça le côté village compte de fait mais plutôt sur les étendues sauvages d'Eldraine. C'est pour ça que ça s'appelle Wilds of Eldraine mais plutôt les paysages tout ce qu'il y a aux alentours tout ce qu'il y a pas dans les châteaux au-delà des royaumes. Et j'ai très hâte de savoir ce que ça va être parce que déjà dans les châteaux et autour il y avait des dingueries. Alors euh, au-delà de ça, qu'est-ce qu'il y a dans les marécages et, et la ouais, forêt voilà. sombre trucs ça dans la, derrière la montagne au fin fond des plaines euh, moi, je suis très content recul. de revoir euh, l'ami Oko parce que ça fait partie euh, de voilà. euh, du, des parties de la story euh, qui m'intéresse le plus. Et mm. j'imagine qu'on aura un petit peu de d'informations sur le, sur le poteau Oko, qu'est-ce qu'il est devenu. Plus et encore une fois, un art by Magali Villeneuve, on sent quand même que l'artiste est poussé. Ouais. Hein. Et puis, de euh, toute façon, euh, en fait, il lui demande un dessin, elle fait une dinguerie, ils disent putain, mais on en veut plus. Et elle fait et juste une dinguerie. en fait, c'est juste ouf. Donc, on va euh... juste mettre ton dessin, en fait. Donc, euh, juste d'un euh, Tu peux faire tout Magic Elle a dit, bah, j'ai pas le temps. Donc, euh, ils ont pris d'autres artistes. Évidemment, ils sont très talentueux aussi, mais d'un gris, quoi. Qu'est-ce qui va se passer à Wild of Eldraine euh, Ils vont aller voir Oko. Euh, ouais, on a besoin de toi pour battre les frictions. Il va dire, ok, je viens. Il arrive, il dit, en fait, je préfère les Firaction. Bim, il s'allie à eux. Voilà. Non, mais je te dis, <laughs> coup, bim, ils transforment oh, les Walker, le euh, de Magic. Le ils transforment tous ces poteaux, enfin, ces anciens potos Plainswalkers euh, en Elk, en Elk action euh, Incroyable. <laughs> ça fait des cartes bizarres, mais... Ce serait ouf. Et deuxième retour du coup, The Lost Caverns of Ixalan, qui ça aussi on a un petit peu plus d'infos, enfin vite fait dedans. C'est on a vu ce qui se passait sur le plan avec les pirates, les dinosaures, les, les merfolk, donc les ondins, euh, les vampires et tout ça. Euh, mais là euh, on a vu ce qui se passait du coup dans la mer et sur terre. Qu'est-ce qui se passe en dessous du coup, on va aller voir les tréfonds d'Ixalan. Et j'aime bien que, du coup, deux extensions, ça nous propose de retourner. Mais on va genre, des, euh, voir des, des endroits qu'on n'a pas des vu. endroits différents du plan. C'est ça. Donc, c'est presque des, des plans différents, du coup, quasiment. Après, Ixalan, il va, ça, va ça. falloir nous surprendre. Parce que, globalement, personne euh, n'attendait ce retour-là. Personne ne l'a demandé. Et ouais. c'est pas forcément le retour qui a le plus les gens. Donc, on ne peut qu'être surpris, positivement. Mais vraiment, genre Xalan, c'est un peu le, le, le cheveu sur la soupe, là, par rapport à la setline. Du coup, pour euh, resituer, hein, euh, World of Rain, ce sera l'extension de rotation de septembre l'année prochaine. Et Xalan, ce sera l'extension qui suit, du coup, entre novembre et janvier. Elle devrait sortir, on n'a pas encore la date euh, exacte euh, de, de sortie. Et ce hondin, avec les yeux rouges, bah, c'est peut-être qu'il vit dans les cavernes, mais il me fait un peu penser à un vampire. Et j'ai l'impression qu'il a des ailes faites en eau. Donc, ouais. euh, on pourrait avoir une espèce de ondin vampire avec le fly, ce qui serait quand même très très novateur. On aurait des, des crossovers, tu veux dire que les ondins et les vampires se seraient accouplés, auraient fait des hybrides, ouais. et du coup, tu auras peut-être des vampires dinosaures aussi. C'est-à-dire un, un dinosaure qui ne peut pas aller au soleil. Ce serait pas une dinguerie, ça euh, On verra. Ça serait drôle. Ça serait drôle. drôle. Franchement, en fait, ouais. vu que c'est déjà un melting pot bizarre avec Salan, moi je suis eux, je fais ah vas-y, on s'en bat les couilles, on fait tout là ouais c'est avec des juste monstres on l'accouplement ou... entre le T-Rex et le vampire quoi après ça euh, tu mets un généticien euh, simique dans un labo où il te fait sa propre tu vois oui c'est vrai il te fait sa propre y a pas vrai. de galère y a pas de galère autre extension qui est celle-ci n'est pas standard et qui sort dans pas si longtemps que ça au final puisque ce sera euh, hiver 2023 donc entre janvier et mars logiquement euh, dominaria remastered avec déjà vous voyez l'écriture l'écriture c'est un peu du old frame là on aime bien euh, c'est old school pardon ça s'appelle old frame c'est stylé on avait déjà entrevu ça, puisqu'il y avait eu des, des leaks sur, via Amazon, qu'il avait déjà mis en vente les produits. Donc forcément, on, on savait un petit peu que ça arrivait, mais on ne savait pas ce que c'était. Merci Amazon. Et en euh, en Ryan Pancost qui signe une illustration exceptionnelle, magnifique. Euh, à la fois euh, New School, Old School, enfin je sais pas trop comment la décrire, mais c'est fou. Euh, ce serait une extension, marche, ouais. du coup, euh, qui euh, est un peu dans la veine de Time Spiral Remastered, euh, où du coup on a 27 extensions différentes mélangées. Enfin, des cartes de 27 extensions différentes, soit des cartes de Dominaria directement, euh, soit des cartes euh, Donc des de, de différentes extensions de Dominaria, hein, pas juste celles qui viennent de sortir, soit des cartes du coup qui ont lien avec l'histoire de Dominaria. Euh, enfin des extensions qui ont lien avec l'histoire de Dominaria, donc ça peut être plein de dingueries. Attention. Parce on a ouais, tous les extensions. plans qui se passent de près ou loin sur, sur Dominaria, et ça va rééditer, j'imagine, tous les staples de cette époque-là. Parce que du coup, 27 extensions euh, mélangées, sachant que là... Il doit y avoir, si je dis pas de bêtises, euh, à la louche 100 ou 120 extensions, ça fait quand même euh, entre un cinquième et un quart de, le, de tout, quoi. Après c'est normal, Dominaria c'est le plan principal de Magic. Euh, mmh. Tous les autres plans ne sont que des plans un peu dérivés. Euh, l'histoire principale de Magic elle se passe sur Dominaria. La plupart des sets qui racontent l'histoire principale de Magic se passent sur Dominaria. C'est un peu logique que ça prenne en compte 27 extensions, quoi. Oui. Oui, bien sûr, mais du coup, euh, il peut y avoir plein de dingueries. Et on a deux cartes qui sont sure. déjà révélées, euh, qui sont des reprints, c'est Arboria et euh, Force of Wheel, avec un traitement euh, New Frame, un traitement euh, Borderless et un traitement Old Frame, avec du coup deux ouais. nouvelles illustrations pour chacune. Euh, très, très stylé. Je pense que ça va rééditer tous les staples et les meilleures cartes, des euh, blocs Invasion, blocs Odyssée, blocs Carnage, blocs Urza, mmh. euh, blocs bah, cool, ouais. do, Dominaria. Typiquement, il y aura Teferi Hero de Dominaria comme staple réédité, je pense. Oui, bah c'est assez. Euh... Enfin, si il est pas là, ça fait bizarre quoi. Voilà. donc euh... Ça peut être intéressant en vrai, parce que mmh. ça peut rééditer beaucoup de cartes qui sont euh... ouais. qu'on voit rarement, quoi, tout simplement. Et euh... petit plaisir du coup sur ces Force of Will. Euh... Qui c'est qui lui C'est Donato Giancola. Donc pour ceux qui sont amateurs d'illustration, euh, vous savez qui c'est et ça fait plaisir. Ça fait très très plaisir. Illustrateur depuis la première heure de Magic. Euh, on voit la, la patte du maître, ça régale. La... Les boosters du coup, enfin les boîtes de booster draft et collector. On parle pas de booster 7, donc peut-être qu'il n'y en aura pas. Ce sera que du draft ou du collector. Un ange serra qui met une tatane à un dragon chivant. Euh, magnifique. Si ils savent parler aux... aux vieillards que nous sommes, encore une ça. fois. C'est ça. Et là, je... ah, c'est qui C'est. Euh... Euh, merde, j'ai oublié son nom, mais c'est un personnage très connu de Dominari aussi. Qui affronte visiblement un Cavru. Je ne saurais pas te dire. Ben, un Cavru, je suis très content. Je sais pas, genre Kamal. Euh... Kamal, exactement. Merci. Il me semble que c'est Kamal. Okay. Ensuite, Land of the Ring, Je suis désolé. Quand vous voyez ça, vous êtes très content, mais en fait, je n'ai rien à vous dire, puisqu'en fait, ça va sortir à, à l'été, euh, environ 2023. On le sait déjà. Ce sera un set qui reprend normalement la place, on va dire, d'un modern horizon. Euh, ça va prôner, enfin, ça va montrer la diversité, donc plein de personnages, euh, originalité, tout ça. Enfin, c'est release en 2023. On n'a pas la date exacte, mais normalement, c'est dans l'été. Euh, on a une nouvelle image par contre de Magali Villeneuve, encore une fois, qui dessine un balrog qui affronte Gandalf. Exceptionnel. Mais j'ai que ça quoi, à vous montrer. Et ça, ce sera un, un dessin de Tyler Jacobson, qui en fait sera composé de plein de cartes full art que vous pouvez mettre côte à côte pour créer ce dessin-là. Donc, dinguerie. Mais c'est tout. J'ai pas d'autres infos que ça. Alors que c'était la première info qu'ils ont montrée du, du live. Donc, euh, désolé pour la petite hype quand vous avez vu le nom, mais on a que ça pour l'instant. Rapide tour avant de parler des spoilers. Sur les euh, Universe Beyond et les Secret Lair. Alors, du coup, euh, on a un peu d'artwork pour les Warhammer 40k qui arrivent le 7 octobre et les Secret Lair Warhammer qui seront dispo le 17 octobre, donc 10 jours après, en précommande. Euh, on a eu quatre cartes révélées. En fait, pour chaque carte commandeur, euh, chaque commandeur pardon, on aura un Sol Ring dedans. Et en fonction de la faction que vous choisissez, bah, vous aurez un Sol Ring aux couleurs de la faction. Bah, ce stylé. Mais bon, euh, c'est les Sol Rings, on savait déjà qu'il y avait dedans. Euh, ça ne nous apprend pas grand-chose. Ouais. D'ailleurs, dans l'article, ils mettent pas les dates qu'ils ont pourtant annoncées dans le, dans le live pour les, les Scattlers. Autre annonce du coup de New Year's Beyond, euh, une collab avec Dr. Wu, qui va régaler beaucoup d'entre vous. Je sais qu'il y a beaucoup de Wu viennent dans la sphère MTG et euh, les illustrations sont assez dingues, franchement. Moi, je ne suis pas fan de Dr. Wu. Euh, je ne suis pas un détesteur non plus, juste ça ne je n'ai jamais regardé, quoi. ça ne m'intéresse pas particulièrement. Mais je reconnais ouais. que les illustrations, surtout celle-là, avec euh, il me semble tous les docteurs comme ça qui regardent euh, l'espace. Enfin, C'est assez ouf, quoi. Je m'en cacque pas assez... mal aussi euh, pour des collabs Universe Beyond qui sont censés toucher un large public. Euh, je m'attendais à d'autres collabs, je pense qu'il y a d'autres licences qui sont peut-être plus adorées, ou au contraire, qu'on pas une paroi euh, très étroite et très fine mm. entre les deux univers. Le but de faire un univers Beyond, c'est d'aller toucher euh, un public qui ne joue pas à ton jeu. Et comme tu me dis, euh, c'est euh, un truc qui fit pas mal Doctor Who. Euh. En tout cas, les joueurs de Magic sont potentiellement euh, de l'âge euh, d'avoir apprécié Doctor Who, donc tu ne vas pas forcément chercher un nouveau public donc je ne sais pas si c'est une collab qui est super intéressante, tu vois. Je pense que c'est une collab euh, un peu plaisir nostalgie parce que c'est un truc qui est euh, assez vieux quand même. Doctor Who, ça a plus de 60 ans, je crois. Ouais. Euh, donc, euh, ouais, voilà, 60 ans. Donc, au final, euh, peut-être que tu ramènes des gens comme ça, genre euh, des anciens joueurs, je mais tu revenir vas revenir les gens, ok. Tu okay. Vas ça vas peut être des comme, chercher des nouveaux joueurs. En tout cas, euh, très stylé et les illustrations vraiment sont ouf. Donc, euh, les trois qu'on nous a montrés, c'est euh, les deux qu'on nous a montrés, pardon, très stylé. Euh, et pour les Secret Lair, il y a un Secret Lair enfin euh, deux Secret Lair dont ils ont parlé le Secret Lair Collab Brain dead euh, qui est une marque, euh, si je ne dis pas de bêtises, de streetwear euh, américaine euh, ils avaient déjà fait des collabs avec eux pour euh, notamment des habits, et, mais on n'a pas d'infos, juste ils en ont parlé euh, le Secret Lair des 30 ans de Magic qu'ils ont annoncé comme étant vraiment une énorme dinguerie mais aucune info, aucune carte, rien pas de date, donc à part que ça va être une dinguerie, pas d'infos. et le Super, euh, le super Drop d'août euh, qui, aura, euh, qui sera dispo en précommande à partir du 22 donc dans 3 jours mais on n'a pas non plus de cartes. Alors c'est en 3 jours. Bah, donc, surprise euh, en vrai. surprise donc let's go mais quand tu fais plein d'annonces comme ça montre une petite carte tu vois montre un petit un petit secret clair parce qu'en plus comme ça le un super drop, pas là, manger. et il va y avoir entre 6 et 8 euh, secret clair dispo. Je pense que tu pourras en montrer un. Hein. C'était pas t'es pas abusé quoi. Du coup le lien de tout ça dans la description avec euh, en plus euh, la Rediff Via YouTube directement, qui est dans le lien de l'article, et avec des sous-titres en français. Donc, si vous voulez aller voir ça, en tout cas, ils ont annoncé que ça le sera. J'ai pas vérifié, mais normalement, ça y est. Si vous voulez aller voir ça sous-titre en français, n'hésitez pas. C'était un très bon show. Il n'y avait pas de longueur, c'était bam bam bam. Si vous voulez aller voir notamment tout ce qu'ils annoncent en D&D, et ils font à la fois D&D Magic, ils font un espèce de euh, back and forth, comme ça, ils vont sur l'un, ils vont sur l'autre, et à la fin, ils finissent par du Dominaria. Donc, c'est quand même assez bien fait, bien rythmé. C'est bien mieux, je trouve, que le, le live qui a lieu l'année dernière. Qui a pas annoncé, enfin euh, des dingueries, mais qui était assez lent euh, pour, euh, pour pas grand chose. Quoi. On se rappelle seulement de l'annonce de Kamigawa en fait. Globalement, il n'y avait pas eu d'autres oui. annonces très bah, hype. Ils avaient annoncé. Il y avait, qui avait surtout fait grincer des dents et Street Fighter qui avait un peu rehaussé les, les, la hype. Quoi. Ils avaient quand même annoncé euh, Dominaria et Brothers War. C'était pas mal. Mais... Oui, c'est vrai. On savait déjà qu'il y avait Dominaria et Brothers oui. War. T'as raison. Mais bon, c'est vrai que comme c'était les deux dernières extensions annoncées, bah t'annonces ça en mode euh, il va y avoir un an d'extension plus après on finit là-dessus. Ouais, j'ai l'impression quand même que la réception de cette annonce-là est quand même bien plus positive et bien plus hypante que la réception ouais. de l'annonce de l'an passé. Surtout qu'il y avait Fortnite qui avait fait grincer des dents alors que là, globalement, il n'y a pas forcément à part Xalan et je pense que tout le monde est assez content. Quoi. Ouais. On passe au spoiler maintenant, si vous le voulez bien. Euh, alors il y a déjà pas mal de spoilers euh, révélés. On vous fera du coup des vidéos très fréquemment euh, sur les spoilers dès qu'il y en a, puisque euh, si j'ai bien compris, il euh, y a des chances que la fin de la semaine prochaine, il y ait quasiment toutes les cartes révélées. Ouais. Déjà, donc ça va aller très vite pour la semaine des spoilers, et c'est pas plus mal au final. Euh, ça laisse un peu moins le temps de digérer, mais ça fait il y a moins de, de, de sessions de spoilers par an, quand tu les... Enfin, il y en a pas moins, mais il y a moins de, moins de périodes de spoilers par an, et moins de, temps un peu de, spoilers. de temps de spoilers, et les gens s'en plaignent un petit peu, donc je trouve que c'est pas mal de condenser euh, tout ça. Bam, on switch. Comment pourquoi les gens se plaignent très rapidement des sessions de spoilers Je trouve ça vachement bien, moi, d'avoir des temps de spoilers. Pourquoi est-ce que les gens, ça leur déplaît Moi, c'est euh, des périodes que j'aime beaucoup. Ouais. Mais... Dans d'autres dans TCG, ça fonctionne comme ça et les gens sont méga hypés. En fait, tu pas de temps de spoilers, il y a tout le temps des spoilers. C'est-à-dire que bah, chaque ouais. extension qui sort après la prochaine, à partir du moment où les extensions sortent, tu as déjà petit à petit au compte-goutte des cartes qui sont révélées. Ce qui mmh. fait que tu n'as pas un temps de spoiler, tu as tous les jours des news. Je... je ne sais pas trop. Enfin, euh, il y a le côté, en a... fait, submergé par l'information, le produit, etc. Et c'est vrai que là où tu peux te passer de certaines informations, le spoiler, quand tu joues un minimum compétitif ou que tu aimes le jeu, c'est quelque chose dont tu passes rarement à côté, tu, sais, tu te tiens en courant, tu vois. Ouais. Donc cette espèce d'information continue que tu dois avoir, je comprends, tu vois. Genre, euh, effectivement, moi aussi j'aime bien, euh, tant qu'à faire des périodes de spoilers euh, condensés. En une semaine environ, tu as tous les spoilers révélés. Euh, ah, ça ça te, te, fait... te demande du coup une, es une espèce de charge mentale et de d'initiative d'aller te renseigner très condensé pendant une semaine. Alors qu'en ouais. fait, si t'avais des spoilers tout le temps, bah, juste quand t'as envie de cliquer, tu vas rattraper ce que t'as loupé, quoi. Ce qui se passe sur notre TCG. Oui, c'est vrai. J'en je, je, place la, ça une comme ça vrai. parce que je me suis déjà posé la question. Je, je comprends pas trop ce trop plein de spoilers. Enfin, personnellement, ça me pose enfin, pas de problème, quoi. En fait, c'est lié au trop plein de produits. Comme il y a plein de produits, il y a plein de spoilers et du coup, il y en a souvent, tu vois. Mais euh... ouais. Mais enfin, après, si on en avait un peu tout le temps, ça me choquerait pas. Quoi. Ouais. Moi, ça ne me dérange pas, mais j'avoue que le nombre de produits, euh, quand tu es fan de Magic et que tu as envie d'un peu de tout avoir, ça fait énormément de produits, parce que justement, ils veulent parler à plein de gens. Du coup, quand tu parles à quelqu'un euh, avec tous tes produits, bah, tu, te, tu te sens un peu submergé des fois. Mais, mais, ouais, euh, mais en mais... fait, tu ferais des reveals euh, spécifiques par produit, et toi, si tu es un compétiteur joueur de moderne et de standard, tu irais seulement voir les reveals de cartes standard que Bien as sûr. Loupé, tu auras. Ça, ça concerne surtout les, les fans qui veulent toucher ouais. un peu à tout. Quoi. On commence du coup ces reveals avec Liliana qui a été révélée genre 20 minutes avant le, le début du live pour bien teaser et il avait dit, genre, on vous avait dit qu'il y avait des, des dingueries quoi. Ouais, donc ça les ça gens, gens savaient déjà que c'était Liliana Duval. Moi ça faisait deux jours que j'entendais les théories parce que l'illustration ouais. rappelait Liliana Duval donc on savait que ça allait être elle. En plus, Last Taube venait d'être édité dans Double Master donc globalement ça fait deux jours qu'on sait que c'est elle. Euh, bon, c'est une bonne carte. Hein. Très, se... très bonne carte euh, qui a beaucoup été jouée en moderne depuis un temps. Euh, mais attention, on veut quand même euh, faire un peu les rabat-joies ici. Euh, ne vous dites pas oh, il faut absolument que j'achète 4 à du voile, c'est exceptionnel, ça va tout casser, ce Penzalker est fou. C'est pas un Penzwalker non plus complètement non. incroyable. C'est un bon Penzalker, qui a un ulti qui arrive assez vite, qui peut faire gagner, qui fait défausser chaque joueur, qui fait sacrifier, donc c'est quand même euh, une capacité assez rare sur le Penzwalker. Et il arrive avec 3 marqueurs loyauté pour 3 mana. mais c'est pas non plus broken, c'est pas Oko. Bon, euh... alors en, en standard, à l'époque, ça a été assez peu joué, voire quasi pas du tout. Ça a été surtout playable en moderne parce que c'était euh, contextualisé dans un méta bien défini, le moderne, était, le moderne était plus lent et surtout ça se cascadait sur Bloodbread Elf. Euh, là, actuellement, cette carte-là, elle est plus jouable en moderne. Pour tous ceux qui pensent que ça va casser le pionnier, moi, personnellement, je, je joue à Ghost Midrange. Je suis pas certain de lui trouver une place dans le main deck. Euh, Magic, c'est... Je lui tellement la même chose et en standard bah, bah c'est pas une carte qui est très puissante en standard euh, Liliana du voile donc euh, c'est un bon reprint on est content de la revoir c'est bien pour les joueurs de duel commandeur et de multi qui l'avaient pas euh, mais ça va pas forcément casser vos formats ne vous inquiétez pas non en tout cas euh, on pense pas euh, après ça dépend des cartes qui va à côté notamment la carte juste à gauche mais euh, de base ça devrait être ok et le reprint pour ceux qui se demandent la carte euh, j'ai pas vu en français mais sur les marchés américains elle vaut entre 55 et 70 dollars donc, je pense qu'elle va perdre 30 à 40% de valeur avec ce reprint, puisque ça va être énormément ouvert. C'est une extension de septembre, donc forcément, les gens vont, ouais. vont bouffer des boîtes. Quoi. Donc, il y en aura plein sur le marché. Ce sera accessible, ne euh, vous inquiétez pas. Après, ça reste un bon plein au cœur. Ça m'étonnerait que ça passe en dessous des 30 euros. Mais euh, mais c'est pas interdit. Oh, franchement, je la vois bien passer en dessous des 30 euros, moi, si c'est beaucoup ouvert en standard. Hein. Ça dépend de short print ou pas. Quoi. Ouais. Si short print, euh, ça va rester à une certaine valeur quand même. Mmh. Du coup il y en a bon plein de quand même, euh, à ne point douter que les gens vont au moins essayer de jouer ça, euh, mais à voir si ça s'intègre dans, dans les decks. L'homme corbeau-val, 2 Je te laisse lire parce que ça va te faire plaisir ça je sens. C'est Reveman, 2 mana. c'est une créature légendaire humain et sorcier. Il est 2-1 au début de l'étape de... De, de fin de chaque joueur. Euh, si un joueur a 10 cartes d'une carte ce tour-ci, tu crées, tu crées un 1-1, euh, Blackbird créature. Euh, token avec le vol, cette créature ne peut pas bloquer et après tu payes 4, chaque joueur se défausse d'une carte et que tu actives cette capacité seulement en sorcerie chaque adversaire euh... se défausse d'une carte ouais, chaque adversaire bon c'est ok en vrai, c'est pas... pas si bien hein. si un joueur a défaussé donc si tu ouais. triggers les joueurs shredder tu fais ouais. un bird, si tu triggers les joueurs shredder pendant tout ton adversaire, tu fais un bird si okay, Tu moi une carte indépendante moi je m'attendais à une carte très, euh, très puissante toute seule bah, c'est indépendant dans le sens où tu peux activer sa capa pour faire défauser que l'adversaire et tu crées un bird. Tu peux activer. Donc, elle n'est pas mort tout seul. Ouais. Mais genre ça marche très bien avec tout ce qui est connivence. Donc Ledger Shredder, ça marche avec Kaito quand t'as pas attaqué. Ça marche. Euh, avec... Non c'est vrai, il euh... y a pas mal d'applications standard. T'as raison. Il y pas, a... c est, c est une bonne carte. Ça marche avec. Euh... Bah, en fait tu prends le deck Esper, euh, actuellement de standard euh, et tu enlèves les cartes qui passent par la rotation. Tu rajoutes l'homme Corbeau, ça marche bien. Ça marche ouais. après. Esper, ouais. tu joues des cartes avec lesquelles tu as envie d'attaquer. L'homme corbeau il attaque difficilement. Je sais pas si les triggers raffine euh, ça suffira à jouer le, le rave man. Il attaque difficilement, mais du coup, si tu as si tu joues raffine tour 3, bah, lui il attaque. C'est déjà une 3-2. Et en plus ouais. de ça, euh, les birds qui va chier vont très bien attaquer trigger raffine. Non, je, tr je trouve ça bien, mais je m'attendais à un truc plus pété. Franchement, c'est très bien, je trouve. Bah, c'est bien parce que ça se contextualise dans un standard qui va l'accueillir euh, de manière euh, cool, mais, mais sinon, ouais. c'est pas une carte puissante en elle-même, tu vois. Ah, c'est pas, euh, pas broken, hein, c'est pas le nouveau tour 2 qui vaut 50 euros, hein, mais... Euh... Ouais, ouais, je m'attendais à un truc un peu comme ça, quand tu m'as dit « Tu vas voir, c'est pété ». Franchement, c'est très bien. Je pense qu'il y a des gens qui sous-estiment euh, c'est chaque fin de tour, hein. c'est pas chaque euh, fin de vos tours. Oh, non, bien sûr, ça se contextualise très bien dans un format qui veut conner, et compagnie. Je, je, je suis d'accord Justement, le fait que les birds ne peuvent pas bloquer... Ça montre que si jamais ça pouvait bloquer, c'était vraiment très très fort quoi. Je pense. Ouais. OK. En tout cas, bonne carte. Et on a Squee qui est également une très bonne carte. Alors que d'habitude, Squee, c'est plutôt une carte de combo un peu chelou. Euh, là, on a une vraie carte de, de mono rouge ou de deck midrange même. On a une 2-2 célérité pour 3, gobelins et Noble. Euh, quand Squee Debus Monarch attaque, vous créez un jeton gobelin 1-1 euh, un, un rouge euh, engagé à attaquant. Ça rappelle ce que font certains très bons gobelins. Et. Comme d'habitude, avec Squee, on peut le jouer quand il est pas là sur le champ de bataille et pas dans notre main. On peut le caster depuis notre cimetière en payant 4 mana et en exilant 4, 4 autres cartes pardon, de notre cimetière. Donc ça a l'escape en fait. Ça a juste l'escape. Pourquoi ils n'ont pas mis l'escape C'est une mécanique Léa je pense. L'échappée en okay. termes de l'or. Donc c'est comme Surveille qui est lié à, à une mécanique de guild. Du coup, ouais. ce Squee, bon, il est légendaire, mais c'est quand même une bonne bête d'agression qui va chier un, un gobelin tous les tours et qui se rejoue du cimetière quoi. Quand tu joues à gros justement, t'as un problème de plus avoir de cartes, et eh bah ben, tu peux juste rejouer ta bête du cimetière, et c'est très bien. Alors je sais pas si c'est une carte qui se joue main deck ou une excellente carte de side contre des contrôles, mais la carte est bonne. C'est un, un warboss euh, supplémentaire et un... comment il s'appelle l'autre warboss euh, Pèlerin Non. Euh, non. Je l'ai joué ça en, en standard. Ouais. Je l'ai plus. Bref, c'est un, un Warboss supplémentaire pour les jeux 8 Alpha Mana et Collected Company. Euh, le problème, c'est qu'il est légendaire. Et OK, il est plus résilient que les deux autres, mais il tape beaucoup moins fort. Donc, il. Parce qu il que, que j'aime à... bien moi, cette, cette mécanique-là de 8 Alpha Mana, euh, euh, 12 Warboss, euh, des Collected Company, ça snowball très vite. Mm. Euh, c'est des decks qui peuvent être puissants en pionnière. Ouais. Mais j'ai l'impression que lui, il tape pas assez fort, en fait. Je. Je pense pas qu'il s'exporte au-delà du standard, mais je pense que ce serait une très bonne carte de standard par contre. En tout cas, ça m'étonnerait pas. Après, on a touche graphine pour 3 manas, c'est une 1-4, ça bloque tout. Donc ça, ça fait ouais, chier, ça ça mais Justement, lui il m'intéresse plus pour ce deck-là en pionnière que pour du standard, tu vois. Ok. Après, tu, du coup, ce qui se fait des fois, c'est que tu remplaces quelques copies par celui-là. Ce qui te fait que tu as une carte plus résiliente euh, avec un power level pas beaucoup moindre, tu vois. Ouais, mais est-ce que ces decks là ils veulent résilier justement, tu vois Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, le, le design est bon. Ça, ouais, bon, c'est une, une bonne carte, okay. Mmh. ok. Parce que si tu peux le rejouer du cimetière et qu'il est aussi fort que les autres, bah juste c'est mieux que les autres, tu vois. Bah ouais, bah moi je m'attendais à ça. Hein. Donc. Euh... Le power creep. C'est ouais, un de... peu l'entre-deux, quoi. Ah, chichi, quoi. Je ira euh, Ageless Innovator euh, pour Izet. On a une 2-3 humain et artificier. Euh, 2-3 pour 2 en IZ, c'est très bien. On peut l'engager pour mettre deux marqueurs Ingenuity. Euh, sur elle, puis on peut mettre un artefact avec une valeur de mana de X ou moins depuis notre main sur Champ Bataille sans payer son coût. Euh, ou X est du coup le nombre de marqueurs ingénuité qu'il y a sur Joyra. Ça, je trouve que ça a le potentiel d'être une carte vraiment très puissante, de pouvoir jouer des artefacts gratuitement. De toute façon, c'est toujours plus ou moins fort. Après, il faut que ça passe plusieurs tours pour vraiment jouer des artefacts gratuits. Enfin euh, des artefacts puissants gratuits. Mais si ça passe un tour, on peut déjà jouer des artos à deux gratos ça peut permettre de faire des bêtises dans certains decks. Euh, ça peut mettre des équipements en jeu, ça peut mettre, euh, je sais pas, des winter Orb en jeu dans certains formats. Enfin, on, peut, on peut bêtiser avec ça. Je n'ai pas d'idée concrète de, des dingueries qu'on peut faire, mais selon moi, c'est fort. Peut-être pas en standard, parce que les Arthos en standard sont généralement pas très forts. Non. Euh... En fait, dans tous les formats construits compétitifs, ça sera pas assez fort, parce que c'est une 2-3 qui te demande de détaper pour faire un truc bien, de détaper deux fois pour faire un truc vraiment sympa et de taper trois fois pour gagner la partie. Mais à ce compte-là, on va jouer autre chose on, si on parle de moderne, pionnier pionnière et, et de standard. Par contre, je pense que c'est un bon général de multi. Ouais, moi, je, je vois quand même un, un potentiel test en, en duel commander, parce que bah, tout ce qui te permet de tricher sur la main, là, on sait à Magic que c'est fort, et ça, ça triche vite, quoi. En fait, si tu es capable de détaper, in-to-engager, gagner la partie avec, en partant en combo de manière régulière et consistante, ça sera un une vraie carte de duel commandeur euh, peut-être même bannissable comme Vanifar parce que Vanifar ouais. si tu détapes avec instant win ça je suis pas sûr que tu sois capable de détape instant win avec du coup c'est une carte qui va être sensible à l'interaction du duel commandeur je pense que ça sera testé mais je pense que si je devais mettre un billet ça sera pas fort alors par contre euh, quelque chose à savoir c'est que euh, la vérification du X c'est au moment où on résout donc si on l'engage en réponse au trigger on la dégage, on la réengage je mets tout de suite deux artefacts à 4 en jeu. Ouais bien sûr, après c'est compliqué là ce que tu demandes. Bah dégager une bête c'est pas très compliqué. Surtout avec parce on demande d'avoir des cartes qui sont indépendantes, enfin indépend qui sont faibles de manière indépendante quoi. Ah oui, bah de toute façon comme quand tu joues combo, t'as des mauvaises cartes qui te font gagner la partie. L'avantage de Vanifar non c'est que t'avais que des accélérateurs à mana et trois cartes perdues oui. dans tes 100 cartes qui n'ont besoin que d'être dans le deck quoi. Ouais ouais. Mais bon. En tout cas je pense que Joera peut faire des trucs, je sais pas si ça va en faire mais ça a le potentiel. Après en standard avec Browser War juste après, ça peut être tout de suite fort, du coup. Mais euh, pour ouais, l'instant, bah ça dépend euh... les, les, les artefacts à deux qu'on qu aura, ouais, effectivement. Pour l'instant, à part mettre un automate en patchwork, on fait pas, euh, fait pas beaucoup mieux. Non, je, je, je pense que pour le coup, ça ressemble beaucoup à une carte de multi qui a l'air plutôt sympathique d'ailleurs à jouer en multi. Ouais. Sol Canard. Alors ça, je crois que tu vas pas méga kiffer cette carte. Je te laisse la lire, du coup. Ok, on a une 5-5 pour 5, créature légendaire, élémentale et démon, au début de l'étape de fin de. Au début de votre étape de fin, vous pouvez choisir un qui n'a pas été choisi. Piocher une carte, chaque si adversaire euh, perd deux points de vie vous gagnez deux points de vie. Euh, Sol canard inflige 3 blessures euh, à une cible, créature au et vous exilez Sol Canard euh... and... et vous le renvoyez euh, sur le champ de bataille à la fin du projet euh, d'un adversaire. Le, le, vous le donnez à votre adversaire, tout simplement. Euh, ok, donc c'est une 5-5 qui a trois bons effets. Ah. Et au quatrième, tu files à ton opo. Je ne sais pas trois quoi on, trois, trop quoi en penser. Bah, dans les, dans les match-ups grindy, ça sera nul. Quoi. Ben, et si une... standard avec grindy, on pourra jamais jouer ça. quoi. Une 5-5 pour 5 que tu vas donner au bout d'un moment. Alors évidemment, tu peux le sacrifier. Euh, elle peut mourir. Tu peux gagner la partie avant de la ouais. donner. Hein. Mais euh... En fait, ce qui est intéressant, il faut se demander, c'est le, le, le rapport... Euh... Le, le, la, le, la balance de la carte, à quel point les trois effets que tu vas générer plus le board state qu'impose qu Sol Canard, à quel point ça te permet de gagner la partie avant de le donner quoi. Et je pense que c'est pas suffisant. Je trouve que euh, les effets sont quand même très bons parce que t'as quand même quatre tours avant de le donner, parce que ouais. à la fin du quatrième que tu le donnes. Mais euh, ça t'oblige en fait à avoir dans ton deck des moyens de le gérer toi-même. Mm. Et du coup, si jamais ces moyens-là, t'es obligé de les mettre exprès pour Sol Canard, c'est de la merde. Si par contre c'est des que moteurs que de sacrifice euh... de quoi Je crois que tu auras juste des anti ciblés que tu pourras ah. foutre sur ton sol canard. Quoi. Ouais, mais du coup, si tu dois faire anti ciblé sur sol canard, franchement, tu perds de la value qu'il t'a fait. Alors que bah, si ouais. c'est des moteurs de sacrifice qui sont dans ton deck naturellement, genre euh, dispute mortelle, là par contre, euh, sol canard ça peut faire des dingueries. Ouais, mais dispute mortelle, c'est joué que dans les jeux qui veulent imposer des small games avec plein de petits kimchi, des artefacts et compagnie, et c'est pas du tout le game de sol canard quoi. Non, donc c'est pour ça que ça ne marche pas, mais c'est un exemple. Je mais pense que c'est pas bien, ouais. Je pense que c'est pas bien, mais ça fait chier de dire que c'est pas bien quand c'est une 5-5 pour 5 qui fait piocher, drain de vie 2, tu es une bête. Ou un ouais, surtout poker. que c'est un en step, donc c'est quand elle arrive en jeu, quoi. Ouais, c'est ça. Bah non, tu peux répondre avant que ça fasse l'effet. Mais... Oui, mais je veux dire, t'as pas besoin d'étapes d'étape tout un tour, quoi. Ton oppo, s'il pas... ouais, a ouais, un anti ouais. rituel, tu vas quand même faire un des effets. C'est ça. Bon. Euh, difficile à juger, je dirais que c'est mmh. pas très bien non plus. J'aurais trouvé ça stylé que ce soit à la fin de ton tour et au début de ton tour. Du coup, tu vas la donner plus vite. Par contre, tu fais sa value très vite aussi. Ça aurait été plus faible, je pense. Donc, tu fais seul Canard un effet. À ton tour d'après, tu fais euh, deux autres effets. Et du coup, pendant, enfin, euh, à l'entretien de ton troisième tour, il faut que tu les gères. Mais du coup, t'as fait très rapidement les effets, quoi. Ouais, ça, ça même un peu bon, en fait. Bah, je sais pas, euh, parce que du coup, t'as. Bah, le but, c'est que ton adversaire il veut le tuer avant que tu aies fait euh, les effets, tu vois, techniquement. En t'as fait, un des effets qui est nul. Donc, du coup, si jamais tu accélères les effets, tu le donnes juste plus vite. T as, t as, en fait, tu as un des effets qui ne participe pas à solve la game ou alors à piocher des cartes pour trouver une gestion. Ouais, non, c'est vrai. Du coup, de le donner plus donc, vite. Si, plus les effets, si jamais tu fais les effets plus rapidement, il faudrait lui donner un troisième effet qui fait de la, du card advantage. Tu vois. Ouais, ouais. Oui, en fait, l'effet euh, drain de vie 2, il est anecdotique. Euh... L'effet drain de vie 2, il te rapproche juste de ta propre mort, malheureusement. Donc, euh... Un peu dommage. Non, c'est pas très bien. Franchement, je pense qu'il faut pas s'éterniser sur Sol Canard ce sera pas joué. Yep. Euh, Soul of Windgrace, ça par contre, c'est très très bon euh, 5-4 pour 4 en Jund, chat et avatar Quand euh, Soul of Windgrace arrive sur le champ de bataille ou attaque Vous pouvez mettre en jeu un terrain depuis un cimetière sur le champ de bataille Engagé, sous votre contrôle Et ça a 3 effets Pour un mana vert, on défausse un land, donc il y a 3 points de vie Pour 2 manas dans un rouge, on défausse un land, donc on pioche une carte Et pour 3 manas dont un noir, on défausse un land Soul of Windgrace devient indestructible jusqu'à la fin du tour, engagez-le vous n'avez pas besoin qu'il soit dégagé pour activer cet effet, il peut être déjà engagé. Ça, c'est une très bonne bête. Et petit effet que les gens ne voient pas souvent, c'est que vous pouvez mettre en jeu euh, depuis un cimetière un land. Donc ça n'a pas besoin d'être depuis le vôtre. Vous pouvez aussi ouais. prendre les landes de l'adversaire. Même si c'est pas pense, nécessaire. En standard, on met pas de land au cimetière, c'est ce qui est un chouïa dommage sur la carte. Mais lui permet euh, de le faire. Genre, si c'était un format avec des fêtes, ça serait vachement cool. quoi. Tu ah oui, c'est clair. Mais, euh, mais la carte est puissante hein, en elle-même. Hein. Elle a de bonnes stats, une bonne capa. Ouais. C'est juste que sa première capa, tu vas jamais la trigger. Ça qui est un peu relou. Quoi. Euh, la ah, tu de... vas la trigger, mais pas une curve. Quoi. Pas quand tu l'as ajouté 4, tu vas la trigger parce que ton oppo, il aura connu, il va un moment dans la game. Et... Ouais, après, euh, voilà comme ça prend le cimetière adverse, il y a quand même de grandes chances que quand il arrive en jeu, bah, ça dépend de ton adversaire, hein, mais tu un land à mettre en jeu. En plus, qu'on ne connaît pas les autres cartes de l'extension. Donc potentiellement, euh, tu vois, si tu joues, je sais pas, un peu d'automeule... Euh, conif dans ton pack, euh, des trucs comme ça bah, j'estime qu'au tour 4 une curve dans des formats standards ça arrivera très peu souvent d'avoir un land à jouer ouais, par contre ma petite intuition ce serait que dans l'extension ils nous remettent passage merveilleux et du coup tu fais t 4 passage merveilleux Solo le wind grace je remets passage merveilleux en jeu euh, ça serait déjà beaucoup plus fort si on a un fetch dans l'extension ouais donc, euh, après, peut-être ce sera pas le cas, hein, mais franchement, c'est dommage de ne pas l'avoir. Ou alors, ça va revenir plus tard. Genre, Soul of Ingrave, sera plus fort. n'y pas passage merveilleux dans ce set-là, vu qu'on a déjà les Pine Bah C'est possible, après. Hein. On avait a... des bilans dans Eldraine Dans Eldraine, il n'y avait pas de bilands. Il y avait 5 euh, lands rares, mais c'est pas des bilans. Par contre, dans la réédition de passage merveilleux, il y avait 5 temples. Euh, c'est vrai. Donc, dans euh... M20, t je crois. Euh, ouais, J'y crois quand même pas beaucoup à Passage Merveilleux, mais pourquoi pas En tout cas, ça rendrait la carte meilleure, je suis d'accord. Ça marche bien. Après, on peut jouer des étendues sauvages en évolution qui sont standards, mais bon, ça fait pas rêver. Il va, ouais. va falloir nous donner un peu de landfall si on veut trigger. Quoi. Ouais, ça peut être ouf. Zur, bonne carte, ça okay. va. Vale. Notre ami Zur Eternal Shimmer pour 3 euh, créatures légendaires, humains et sorciers. Ça a le vol. Enchantement créature que vous contrôlez, on le, destouch, le lifeling le lifelink et l'ex-proof vachement fort. Et pour deux, euh, le, la non aura enchantement ciblé, target non aura enchantement, donc un enchantement qui n'est pas une aura que vous mmh. contrôlez, devient une créature euh, en plus de ses autres types et a une force et une endurance euh, égale à son euh, coût converti de mana. Euh, enchantement créature, donc du coup en plus quand tu animes ton enchantement, elle a le Death Touch, le Lifelink et l'Exproof, il est 1-4 pour 3. C'est pas mal, il est moins fort que le Zur pour 4. Je croyais que c'était un rework du Zur pour 4 qui lui permet de, de ouais. fetcher une aura ou un enchantement dans ton deck. Euh, là pour le coup, il fait pas ça, il anime juste des enchantements. Ah, je suis un peu déçu, je pensais que c'était une, une version playable en duel commandeur de Zur. Tu pensais Et que c'était en pas très bien. Tu pensais que c'était pas une carte de commandant multi Ouais, bah je... enfin, ça peut être une carte de décès, c'est juste plus fort quoi. L'ancien Zur est plus fort quoi. Ouais. Euh, là, en fait, ça te propose un build différent où tu vas animer tes enchantements et, et patater avec euh, Death Touch Life Link x mais... Ah, je suis trop déçu. Je m'attendais vraiment à. Mm. En fait, le Zur pour 4, mais à 3 mana, ce qui le rendait vachement meilleur. Et ce qui est trop marrant, c'est que tu le mets pas du tout dans un deck Zur. Le Zür. Ah, Tu peux, mais genre, ça colle pas forcément. Euh... Il fait pas du tout la même chose. Euh... Ah, bah, tu le mets pas dans le Zur en DC, non Il sert à rien. Zur en DC, c'est plutôt un deck contrôle. Alors que ça, ça va. T'as deux, deux versions pour approcher Zür en DC. T'as la version contrôle et t'as la version Voltron. Ouais. Et, et en tout cas, tu veux pas de créature, donc tu veux pas ce Zur là. Non donc euh, ouais, euh, donc bonne carte quand même ce Zur. Hein. Il fait des trucs, mais par rapport aux zuran qu'on connaissait, euh, pas pareil quoi. Ouais, il fera des trucs en multi. Ça m'intéresse pas beaucoup. Rip. Le Firection de cette extension Shieldred the Apocalypse. Pour 4 mana on a une 4-5 death touch, Phyrexion et Praetor, légendaire. Quand on pioche une carte, on gagne 2 points de vie. Quand un adversaire pioche une carte, il perd deux points de vie. C'est simplement un très bon body. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire dessus. 4-5 death touch pour 4, c'est des bonnes stats. Ça fait gagner des PV en piochant, ça fait perdre des PV quand l'adversaire pioche, donc ça lui met une cloque. Euh, si jamais il veut piocher plusieurs cartes par tour, ça lui fait très mal par contre mais on va partir du principe que quand il y a chez Old Red, il va arrêter de faire ça il veut juste piocher une carte bah par ah ouais trois. mais ça empêche de connivre les gens c'est pas si mal ça empêche de connivre ouais. donc par contre ça c'est ça punit un peu donc c'est cool euh, c'est juste une très bonne carte mais il y a rien de, de de très novateur on va dire ça trigger juste sur la pioche ça fait gagner ou perdre des PEV. bon c'est pas, pas comme un Taxias où là il y a des lignes de texte quoi ils sont énervants parce qu'ils nous font des Praetors qui sont du coup des versions rework mais qui sont tous en mode ah ils sont bien hein, mais on va hmm. pas les jouer quoi ça, je pensais jouable en standard. Franchement, c'est un très bon body euh, qui met la pression. Euh, ça, ouais. ça améliore ton match-up contre aggro euh, très facilement. Il te suffit juste de, de protéger Sheldrake ou en tout cas qu'elle meurt pas. Euh, non, ça vrai. met une grosse cloque au deck contrôle Bon, il va la gérer tu tu deck control, un deck contrôle Mais. Urabrasque, Ura ça, ça détruit les decks contrôle et on l'a pas joué quoi. Et c'est un 4-4 pour 5. Ouais, mais tu vois, c'est 5. Alors que à 4 mana, c'est beaucoup plus abordable. Et justement, c'est pas juste fort qu'on contrôle Urabrasque chez euh, pardon, c'est fort contre un peu tout ah bah ça c'est pas fort contre contrôle du tout chez uh, pour le coup, à l'inverse bah, euh, quand un adversaire pousse une carte il perd 2 pèves, ça lui met une grosse cloque si jamais il la gère pas oui mais c'est un 4-5 pour 4 qui se protège pas à contrôle, il va juste le brasser ou l'anti-bêter euh, oui. très rapidement quoi ça devrait pas être un souci de le gérer pour lui mais disons que c'est un, une menace qui l'oblige à le gérer il peut pas juste l'ignorer en mmh. plus que c'est une 4-5 donc ça va pas tâter et tous les autres decks, donc soit agro ou mid bah ça les emmerde de ouf Midrange, c'est vraiment une plaie contre lui parce que tu as une 4-5 des touch et ton adversaire gagne des PF, toi tu en perds donc ça fait un différentiel. Et aggro, bah, tu passes pas le body et en plus il gagne des pefs tous les tours, c'est un enfer. Ouais, ça a rien de mirobolant, je suis d'accord, mais ouais. c'est vraiment une très bonne carte et si elle est pas jouée, c'est que vraiment à côté on a des dingueries quoi pour ne pas la jouer. Bah, c'est qu'on a des plans de jeu qui sont plus écrasants ou alors beaucoup d'interactions. Je veux dire, tu vois, si on a des trucs comme Magma Opus Inata, euh, ouais. ce qui est quand même très présent dans les standards récents, ou alors EZ euh, Turn, bah, évidemment, je on dans a rien à foutre. Ouais. c'est un très la... très problème. L'avantage de Magma Opus Inata, euh, c'est qu'il nous reste Inata, mais on n'a plus Magma Opus. Non, non, mais c'est une façon de parler. C'est-à-dire ouais. que là, en standard, depuis 2018, on a toujours des decks qui sont capables de go big bien au-dessus d'un Siege Rhino, tu vois. Oui, bah, en fait, on nous montre des belles créatures depuis, euh, depuis toujours en standard. Et à côté, on dit pour 6 manas ton supplémentaire. Donc forcément, les créatures, on en a un peu rien à foutre. Ouais, donc si on a des plans de jeu gobiques comme ça, qui sont un peu contrôle combo, euh, tu vois, des plans de jeu lire, je rejoue tout mon ouais. cimetière, des plans de jeu euh, magma opusinata, des plans de jeu Iz double, double turn, bah shoulder red, ça sera pas bien, quoi. Ouais. Je suis désolé si vous entendez euh, des bruits de perceuse, euh, mon voisin euh, ayant fini ses travaux, s'est dit tiens, je vais tout refaire ouais. Écoute, je les entends pas. Okay, mais c'est vrai pour revenir à ton argumentaire, qui est vrai. Si jamais le méta est plus agressif ou, ou mid range, euh, c'est-à-dire un, un plan de jeu avec des créatures, des anti-bêtes et tout, c'est ça a grave le potentiel d'être joué en standard. C'est une bonne carte. Ah ouais. Franchement, euh, pas forcément quatre exemplaires, tu vois, mais t'en mets deux. C'est un peu ton ton qualitas. Euh, alors c'est pas, ça fait pas le même effet, mais mais ça fait pas le même effet. Est-ce que ça fait pas un effet ouais. qui... ressemblant tu, quand même? Tu... Tu connais mon désamour pour les deux exemplaires, trois exemplaires, c'est un peu random. Si la carte elle est bien, tu veux la jouer en quatre. Ouais, mais c'est légendaire, c'est pour ça. Si c'est pas légendaire, évidemment, tu en mets quatre, mais c'est légendaire, donc tu en mets peut-être trois, tu vois. Après, tant que ton il est sur le board, c'est que tu es en train de gagner la partie, tu fais un différentiel, ça creuse l'écart de PV. Donc en fait, même si tu en as un qui est bloqué en main, c'est que tu es en train de gagner, c'est pas très grave, quoi, que ce soit légendaire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. À voir, en fait, ça dépend vraiment du metagame et des mmh. types d'archétypes qu'on va jouer en standard. Mais effectivement, si on a un metagame qui est aggro au mid-range, euh, ça sera joué. Et t'as raison, c'est vachement fort contre aggro en tout cas. Ouais. Euh, et du coup, ce qui me fait penser qu'on aura peut-être un standard avec des bêtes jouables. Genre, on peut jouer des créatures et ça marche. C'est aussi la carte suivante. Archange de la colère pour 4 mana qu'on a en français d'ailleurs. 3-4 vol vie avec kicker noir et ou rouge. Donc on peut payer. Un mana noir pour la kicker ou un mana rouge. On peut payer un mana noir et un mana rouge. Donc ça fait un double kick en gros. Quand l'archange de la colère arrive sur le champ de bataille, s'il a été kické, il inflige deux blessures à n'importe quelle cible. Et s'il a été kické deux fois, il inflige deux blessures à n'importe quelle cible. Donc ça veut dire qu'il fait deux fois deux. Ça a le lifelink. Donc les deux blessures qu'il inflige font gagner deux points de vie. Et vous pouvez le mettre n'importe où. La carte est ouais, super. Ouais, est au super carte. Alors si vous la kickez pas, 3-4 vol lifelink pour 4, c'est pas, pas mirobolant. Par contre, dès que vous non. la kickez une fois, ça commence à devenir vraiment pas mal. Je l'aurais fait 4-4, ça m'aurait pas choqué au vu des power levels des cartes qu'on édite maintenant. Ouais. Euh, ça aurait rendu en fait la carte avec un effet plancher beaucoup plus puissant. C'est-à-dire que tu avais une 4-4 vol de vie pour 4, ce qui est à peu près la norme des bonnes créatures. On voit ce que fait Sheldred, mmh. par exemple, 4 mana. Et du coup, si tu la kick, tu as un vrai payoff. Là, ça reste quand même fort. Je pense que ça sera joué encore une fois si on a une méta euh, plein soccer créature, board state. Si on soit... a le droit, ouais. euh, Si on a le droit de jouer euh, ces archétypes-là. Mais du coup, son effet plancher est un peu, un peu médiocre quoi. Bah, c'est une 3-4 vol Lifeling pour 4 ouais donc une... pour, pour, pour moi cette carte c'est une 3-4 vol Lifeling pour 5 qui met 2 quand elle arrive en jeu ouais c'est ça qu'il faut voir je pense c'est euh, le côté euh, tu peux la jouer à 5 ou à 6 et à 4 si vraiment tu joues contre aggro et que t'es en chi c'est ça mais du coup ça reste très décent si jamais mmh. tu joues contre aggro et que t'es en chi ouais. ça a le potentiel pour être joué ouais je sais pas du coup avec ces deux cartes là si on nous dit aggro il va être là et il va être Enfin, on a des bonnes réponses, quoi. Parce que du coup, on a des bonnes réponses. Ou si avec ces deux cartes là, on nous dit non, mais un gros, oublié Parce que dès qu'on va essayer de mettre 3 pour 2 mana, euh, on met ça et, ouais, et la est game vrai. est pliée. Ouais, ça, ça, ça a l'air de, de pas être très très uh, propice aux jeux agressifs. Hein. Ouais. J'aime bien quand il y a des jeux agressifs jouables, pas forcément pour les jouer, mais parce que c'est un méta stimulant, je trouve. Euh, du coup, s'il y en a pas, c'est un peu dommage. Mais euh, après, s'il y en a, mais que juste c'est les decks Mardu qui jouent chez Aldred qui les défoncent, ça me va aussi. Euh, donc ah ouais, Espèce de réponse okay, quoi. Euh, de méta. quoi. Defiler of Dreams, on a un Sphinx Phyrexian avec un texte alambiqué. On dirait, enfin, on n'a pas le reste de l'extension, mais j'ai l'impression qu'ils l'ont rajouté un peu forcé dans l'extension. Tellement c'est particulier comme mécanique. On a une 4-3 fly pour 5, comme ça, tous les Blast à 3, ça le tue. En tant que coût supplémentaire pour lancer un sort de permanent bleu, on peut payer 2 points de vie. Si on fait ainsi, euh, ce spell coûte un mana bleu de moins à lancer et ça ne peut réduire que euh, du mana bleu en faisant cet effet. Donc en gros, ça vous donne, ça vous transforme un mana bleu en mana pour vous sorts de permanent bleu. Et quand vous lancez un sort de permanent bleu, vous piochez une carte. C'est hyper précis comme effet. Et je sais pas si on aura un cycle de cartes qui permettent de faire ça dans toutes les couleurs, mais. C'est à dire spéculées. deux points de vie à la place de, de lancer un scruté. Ton scruté, il te fait drôle de cartes. Euh, non, parce que ce côté, ce n'est pas un permanent. Ah, donc, il faut que ça soit des permanents spells. Ah, eh oui. c'est nul à chier. Ah, si c'était pas permanent, euh, je savais très bien ce que ça faisait. C'était très fort. Mais ouais, c'est permanent. Bah nul à chier. Allez, au revoir. Je pense que c'est nul à chier. Mais bon, euh, du coup, ils nous mettent les cartes par deux pour faire comprendre ce qu'on peut en faire. Euh, et qu'est-ce qu'on a euh, juste à côté en, en plus, il y a Lightning Strike dans le format. Allez, ciao. C'est bon. On a une des nouvelles mécaniques qui a été révélée, euh, qui est euh, Read Ahead, qui est en fait une mécanique qui ne s'applique qu'aux sagas. Donc, il y a des sagas évidemment sur Dominaria. Euh, et qu'est-ce que c'est que read ahead En fait, ça veut dire qu'une saga, quand elle arrive en jeu, tu peux choisir quel effet tu fais directement. Et tu passes les effets euh, qu'il y a avant. Et ensuite, tous les tours, tu leur rajoutes un marqueur classico. Donc si oui. tu vas directement au troisième effet, euh, ta saga meurt le tour ouais. Bah euh, okay. Même euh, tout de suite. Parce que au moment où tu mets le troisième, tu ouais, vas ouais. Le Donc euh, The Phasing of Zalfir, pour 4 mana, euh, deux premiers effets, on peut. Euh, Exiler, euh, on peut phase out pardon, un permanent non-terrain euh, que l'on contrôle. Euh, pas qu'on contrôle, pardon, un permanent non-terrain, tout simplement. Et il ne peut pas phase in tant qu'on contrôle euh, The Phasing of Zalfir. Donc ça, le phase out jusqu'à ce que la saga se résolve. Et d'ailleurs, je suis en train de lire le texte en anglais, alors qu'en fait, il y a le texte en français juste à gauche. Donc le texte je suis en un français, peu... est plus facile, hein, parce qu'en anglais, moi j'en chie depuis tout à l'heure. Hein, ouais, ouais. avec... Et du coup, euh, dernier effet détruisez toutes les créatures pour 4 mana en bleu. La, la première vase bleue, ça y est. Pour chaque créature détruite de cette manière, son contrôleur crée un jeton de créature de 2 noir sur Donc, c'est pas non plus une vrace vrase quoi. Parce que c'est bleu. Non, c'est nul. Ah, j'irai pas jusqu'à dire que c'est nul quand même. Parce bon que tu bon peux. On dit nul. Tu peux phaser deux permanents. Euh, donc, que ce soit les tiens ouais. ou ceux de l'adversaire. Et, et si, je si jamais c'est. ce soit les tiens, parce que sinon, tu vas vrasser tes bêtes, c'est éclater au sol. Je sais pas. Je trouve pas ça naze, mais je trouve pas ça bien. La dépopuler dans le format, il y a aucune raison de jouer The Phasing of Zalfir, quoi. Bah, ça donne une Vrace à des decks qui ne jouent pas justement blanc. Ouais, ouais, Après, mais euh... du coup, euh, des decks qui jouent pas blanc, ils vont jouer rouge et ils ont des brasses aussi, quoi. Ils peuvent jouer que bleu, si va le laisser faire. C'est standard, franchement, je vois pas pourquoi tu jouerais mono bleu. Bah, tu fais 10 Failure of Dreams pour 3 mana déphasage, je casse tout, j'ai une 2-2, j'ai plus mon sphinx, j'ai plus chez une carte. C'est de la merde. <laughs> Allez, Alors, ciao. Vigile ah, de la nouvelle Benialia, ça, c'est bon bonne carte, ça. Ah, et c'est en français, je suis trop content. Et oui. Vigile de la nouvelle Benialia pour 2, on a une 2-2, humain et soldat, enrôlement. Enrôlement, euh, tu pour avoir exactement le texte. Alors euh, oui, euh, alors c'est tout petit donc je vais te le lire. Je sais pas ah si oui, Tu vas pouvoir cliquer et tu auras le mot-clé directement sur euh, Magicville. Ah oui Ouais, je pense. Garde, clique sur enrôlement. Vas-y. Ah, voilà. OK, ça se déroule. Au moment où cette créature attaque, vous pouvez engager une créature non attaquante que vous contrôlez sans le mal d'invocation, quand vous faites ainsi ajouter sa force à celle de la créature jusqu'à la fin du tour. À chaque fois que la vigile de la nouvelle Bénalia enrôle une créature, vous faites un scry 2. Et vous pouvez vous défausser d'une carte si vous faites ainsi euh, la vigile de la nouvelle bannière acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour et vous l'engagez. On a une 2-2 de deux pour deux. Euh, on en discutait un petit peu avec PL avant de, de tourner la vidéo. J'aime pas beaucoup la carte parce qu'elle te propose de ne pas attaquer avec une créature dans un deck qui voudrait attaquer. En plus, il faut que cette carte, elle n'ait pas le mal d'invocation, ce qui sous-entend qu'elle aurait pu attaquer plutôt que d'être enrôlée. Le fait d'enrôler la créature... T'as une petite plus value qu'un Scry 2, mais c'est pas non plus mirobolant. Et derrière, tu peux te défausser d'une carte pour lui donner un indestructible. Mais globalement, j'ai l'impression que c'est un peu moins fort qu'un sacre Lamageri euh, qu'on avait déjà en standard ou qu'un avant-garde d'Ananto, quoi. Qui sont des cartes qui sont plus indépendantes, en fait. Mais qui ne sont plus en standard. Mais qui ne sont plus en standard. Mais dans ce cas-là, tu peux quand même la comparer au power level des cartes qui étaient quand même des unco à la base, tu vois. Mmh. Mais j'ai une question, Val. Ouais. Est-ce que on n'aurait pas une carte deux mana, qu'on n'a pas envie d'attaquer avec, mais on a envie de la jouer. Et en même temps, si jamais on défausse des cartes, elle trigger. Genre un petit homme corbeau, tu vois. Ouais, mais tu. Ouais, monsieur... homme corbeau, c'est pas une carte d'agression. Ça, c'est une carte d'agression, vigile de la nouvelle Benalia, quoi. Ah, homme corbeau, c'est pas une carte d'agression. Ça te permet de l'enrouler. Du coup, t'as une 4-2, qui fait Scry 2 et qui te fait euh, potentiellement destructible. Et les, et et les, les deux, deux corbeau, cartes des pigeons. Elles ont pas le même plan, elles sont pas jouées dans le même archétype. L'homme-corbeau, c'est une carte de grind, c'est une carte de deck midrange. Vigile de la nouvelle Benalia, c'est une carte de deck aggro, je veux pas ça dans mon deck midrange, c'est nul. Je pense que l'homme-corbeau, tu peux le jouer euh... tu mais ça marchera pas en standard, quoi. Je pense que ça peut marcher en standard, moi. Hein. Justement, en fait, tu pas besoin de grind avec l'homme-corbeau, euh, juste, en fait, ça va donner une plus-value à, à tes cartes, tu vois. Qui permettent ouais, de défausser. Tu vas devoir défausser une carte pour trigger l'homme-corbeau, tu mis peut-être 4 points, mais... T'as rendu une mette instructive. Alors, évidemment, tu le fais quand ça sert à quelque chose. Tu le fais pas gratuit. Mais et tu en peux plus, aussi le faire gratuit. Le, corbeau, le moment où tu le joues, il faut attendre qu'il soit disponible à l'attaque pour l'enrôler. Enfin, genre, je crois pas à la synergie et je crois pas beaucoup à la vigile. Moi, je crois aux deux. Après, la synergie, ça va dépendre du format. Parce que, de toute façon, quand tu fais plein de corbeaux euh, et y a des de 1, il y a des mecs qui font massacre au cours de boucher qui détruisent ses espoirs. Ouais. Mais, de toute façon, massacre au cours de boucher, honnêtement, je, je vois mal un standard où la carte continue d'exister parce que ça, tu peux pas jouer créature quasiment quoi. même si on n'a pas Massacre au Croc -cro dans tous les cas c'est deux cartes qui ont pas le même plan de jeu, c'est pour ça que je vois Vigile de la Nouvelle Bénaria, c'est vraiment une carte d'agression une carte d'agro, pure et dure, et je vois pas du tout euh, le corbeau être joué dans ce type de deck -là. ben justement je suis pas d'accord parce que dans un deck agro tu vas attaquer avec toutes tes bêtes donc pourquoi tu voudrais jouer des bêtes qui te demandent de pas attaquer avec des bêtes Bah ben justement c'est pour ça que la Vigile de la Nouvelle Bénaria est pas une bonne carte ben justement non, c'est parce que c'est pas une carte d'agro ou alors tu peux la jouer en aggro, mais c'est pas que ça, c'est surtout. Euh... Oui, le fait d'enrôler des bêtes, c'est pour taper plus fort, et en plus ça se protège en, en défaussant une carte. Et oui, mais du coup tu peux enrôler des bêtes que tu ne voulais pas attaquer avec, mais que tu voulais quand même poser. Ouais, mais du coup, tu te retrouves avec une carte du coup qui veut agresser dans un deck qui cherche pas à agresser. Bah t'attaques quoi, enfin, tu vas quand même gagner même dans un deck midrange, hein, tu joues pas combo, hein, tu vas gagner en attaquant avec des bêtes. Hein. Donc euh, si ouais, t'es si pas... drop 2 il tape fort, euh, ouais. et que t'es drop 3 et 4, il tape fort aussi, bah c'est mieux quoi. Bah, je, je, je pense que c'est pas, c'est justement que c'est le, 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 la carte qui est pas très bien designée, quoi. la Vigile. Elle est à le cul entre deux chaises. quoi. Elle te demande de pas attaquer avec des bêtes, mais elle, elle profite d'attaquer et elle a une mécanique de deck gros, se Défausser pour se protéger, donc euh, faire du CDA pour pouvoir rentrer des dégâts, mais en même temps, elle te demande de pas attaquer avec tes autres bêtes. C'est cette carte-là qui est mal designée, à mon sens. Moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve que la carte est très bien, que ça te permet justement de recycler tes dropins qui qu peuvent plus attaquer dès le tour 3, euh, justement en les enrôlant avec la Vigile. Que dans un deck qui ne joue pas forcément de drop 1, mais avec des trucs comme l'homme corbeau ou même d'autres cartes, hein, euh, tu peux les enrouler pour avoir ton scry 2 et mettre des patates. Je pense que c'est une très bonne carte et ça, on va voir avec les cartes qui sortent, hein, mais ça m'étonnerait que ce soit pas joué. Euh, après, il ouais. y a un monde où juste l'extension est pas assez puissante et ce qu'on a en standard actuellement qui passe la rotation est trop fort pour ça. Ça, c'est possible aussi, mais juste en la prenant seule euh, et euh, même sans la prendre seule, mais juste avec 2-3 cartes qui vont autour. Je trouve que c'est une bonne carte qui peut être jouée. Après, s'ils font que des drops de meilleur à côté, évidemment, on va pas jouer la vigile. Hein. Ça, ça peut être joué parce que toutes les cartes peuvent être jouées selon le power level de ton standard, mais ça reste une carte qui n'est pas très claire dans dans, son, dans ce qu'elle veut faire. Ouais, mais ça n'empêche que c'est pas. Tu vois, genre le Sphinx bleu, euh, on voit que on. Tu vas juste économiser un mana, euh, payer de PF pour jouer des permanents bleus. Donc... Ah non, mais, mais c'est nul le Sphinx bleu. Ça, c'est une carte qui est playable moi après est... j'estime à quel point j'ai envie de la jouer ou pas mais effectivement on est sur une carte qui est, qui est quand même ça reste un 2-2 pour 2 qui a, des, qui a des lignes de texte donc c'est ouais. pas mauvais genre 2-2 euh, pour -2, 2 qui peut se buffer c'est juste que la meilleure manière de jouer cette carte là c'est pas la manière qui lui profite le plus de base ouais et du coup je trouve ça un peu, un peu ouais. bizarre et, euh, mais ça reste une 2-2 qui a plein de texte tu vois je concède par contre que le côté euh, engager une créature qui n'a pas le main de la vocation euh, ça a l'air très contre-intuitif par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Bah euh... la... Si tu pouvais poser une bête et vu qu'elle ne peut pas attaquer, ça te permet quand même de continuer à participer à mettre la pression. Ouais. Parce que la carte qui si n'attaque pas, tu vas transformer cette non-attaque en une valeur d'attaque supplémentaire. Et dans ce cas-là, c'était déjà un peu plus synergique avec le, le fait d'attaquer et de mettre des dégâts. Tu vois. Ouais, mais du coup, est-ce que c'était pas... Enfin, si la capacité c'était ça, est-ce que c'était pas virtuellement donner la célérité à tes bêtes Ouais, c'était coup... vachement plus c'était grave plus fort. Mais je pense que c'était justement peut-être un peu trop fort quoi, de faire ça. T'imagines, au tour 2, tu avec... Euh... Bah, tu fais lourdo tour 3, tu avec une 9-2. Enfin, ouais, mais lourdo c'est une carte de merde. Donc, euh... non, mais tu, tu mets une, oui, bonne, mais... une bonne carte C'est une carte de merde, mais si jamais tu sais que ça passe, enfin, tour, tour 3, tu attaques avec 9 de patate. quoi. C'est. ça ouais, aurait eu un décor d'oeuvre rigolo, en vrai. Je sais pas, ça m'aurait pas... Je... Peut-être que c'était peut-être un peu trop fort, mais j'aurais préféré justement voir ça sur la carte, tu vois. Sachant que tu peux toujours... Enfin, ça marche avec lourdo, c'est juste que ça marche pas au tour 3, mais... Vu que voilà. il va te l'enlever de, des attaquants, tu peux l'enrôler pour faire ça quoi. Tu peux l'enrôler, ouais. Mais ça marche pas au tour 3 comme tu dis, ça marche au tour 4. Ouais. Non, bah, le, le, en fait le principe de décurver. C'est probable que l'enrôlement euh, en version cheatée où ça donne la célérité entre guillemets virtuellement à tes bêtes, c'était peut-être un peu trop fort. Ouais, je pense que c'était un peu trop fort. Selon moi, la mécanique, c'est vraiment on recycle les tours 1, euh, les créatures qu'on ne veut pas attaquer avec, ou on ne peut pas attaquer avec tout simplement, on les met euh, avec la vigile pour euh, taper. Et elle, elle peut ouais. toujours attaquer, puisque tant que tu as une carte en main, elle est indestructible. Je, je, je doute pas que cette carte-là soit probablement jouée dans mono blanc agro ou, un enfin, deck blanc agro X euh, qui, ouais. qui veut taper. J'en doute pas. Je pense que ça peut être bien. Je la mettrais peut-être pas dans Esper quand même. Je crois que les places sont trop disputées. Alors, je je vais dans Esper euh, mid agro, non. mais, euh, mais c'est pas loin, selon moi. Si on avait à des voir. formats un peu, un peu plus gentils, ça ça pourrait être joué dedans, quoi. Mais je la vois facilement dans un ou, ou autre. Quoi. Ouais, bah faut, faut voir quel, quel est l'archétype agro qui va profiter de cette carte-là. Ouais. Euh, ou... On a Adjani ensuite, que je vais vous mettre euh, comme ça euh, en, en une autre édition. Voilà, comme ça il est beau. Quoi. En plus, il est en français. Cinq, ah. euh, cinq versions différentes du Adjani, d'ailleurs. Hein. <laughs> on n'a pas toutes les cartes d'extension, de mais on a cinq fois Adjani, Agence Sommeil, qui est du coup maintenant en action. Pour 4 mana, il arrive avec 4 marqueurs loyauté et il a un mana hybride Firection euh, Célestia. Donc on peut payer un vert, un blanc ou deux points de vie. Et si on paye 2 points de vie, du coup il a la capacité parachevée comme Tamillo. A, si on paye 2 points de vie à la place du mana Firection, euh, euh, il arrive avec 2 marqueurs loyautés de moins. Donc seulement 2. Donc il pourra faire que son plus 1. En plus 1, okay. on révèle la carte du signe la bibliothèque. Si c'est une carte de créature de plainswalker, on la pioche. Sinon, on peut la mettre en dessous de la bibliothèque. Moins 3, on cible jusqu'à 3 créatures, on répartit 3 marqueurs plus 1 un, plus 1 parmi chacune d'elles, et elles acquièrent la vision jusqu'à la fin du tour. Mais c'est moins 3, donc c'est quand même cher payé. Et ouais. moins 6, on gagne un emblème avec à chaque fois que vous lancez un sort de créature de Planeswalker, un adversaire ciblé gagne 2 marqueurs poison. Ok. Alors... Je le... trouve, il est très flavor, je trouve, son, son texte. C'est le... Ouais, il est très flévor. Par contre, le moins 6, l'emblème. Le... Ça te dit, en gros, tu, tu castes cinq créatures ou plainswalker et t'as gagné, gagné la partie. Mais genre, c'est ouais, hyper pas... bizarre. Oui, c'est pour faire gagner avec un emblème. Hein. Mais je trouve que c'est ouais. hyper bizarre comme fonctionnement de devoir caster des créatures des planeswalkers et que ça mette deux poisons à ton oppo, quoi après Chandra euh, Chandra te défiance tu castes 4 spells et t'as gagné tu vois donc c'est un peu le même genre de oui c'est genre formulé différemment mais genre la, ouais. la, 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 le fonctionnement je trouve ça... le fonctionnement est chelou ouais ah, je vais le caster fou. une bête tu prends 2 marques à poison ouais. ok pourquoi euh, bah parce que ouais. la gueule c'est ma je prolifère du coup comme j'ai proliféré tu reprends un marque à poison Ah, <laughs> bon, ça marche pas en standard mais. Ouais. Non, après moi je juge pas trop les ultis des blind soccer parce que quand tu arrives à l'ulti c'est que tu gagnes la partie un peu qu'importe l'ulti. Les... Ouais. Qu Par contre les autres capacités m'intéressent. Le moins 3 a éclaté au sol, mais je pense que ça, Jani sera joué juste pour une seule raison. Euh, c'est que tu as un plus 1 qui est puissant. Ça me rappelle re Raid qui a été joué dans son, dans son standard à l'époque, qui mmh. était un drop 3 pareil qui plus 1 pour révéler une, une créature. Et en fait tu peux jouer au tour 3 quoi. Tu peux jouer au tour 3 mais il arrive qu'avec deux marqueurs loyauté, donc c'est vraiment peu. Plus un, il te fait piocher une carte, donc euh, il faut que t'aies mis un petit drop 2 pour le protéger, quoi. Il y a, oui. il y a frappe, ouais, frappe d'Orient qui a été réédité dans le format, donc ça veut dire que si tu joues à 3 il, il canne ouais. pour 2 Non, mais je veux dire, Domry Raid faisait ça à l'époque, tu vois. C'était un drop 3 qui faisait plus 1 pour trouver une bête, et, et ça a été ouais. un peu joué. C'est pas euh, mauvais euh, au point de pas être joué, mais c'est pas très. Bon. C'est pas très fort, je suis d'accord. C'est pas très bon le moins 3 c'est vraiment tu vas l'utiliser pour gagner la partie, euh, <laughs> au moment où tu vas gagner, je veux dire. Parce que moins 3 sur ton Planeswalker, c'est vraiment énorme. Si on a des, des board state un peu compliqués, donc des états de board où les créatures ne peuvent pas trop attaquer, tu fais 4 mana à Jani, moins 3, je mets plus 1, plus 1 sur toutes mes bêtes, elles ont la vigilance et du coup elles défendent à Jani, c'est pas mauvais en fait. Hein. Mmh. Je trouve que l'emblème le, aurait dû coûter plus cher et le plus 1 aurait pu être un plus 2 du coup. Ça aurait été ouais. plus sympa, tu vois, ils se protégeaient un peu mieux en gagnant plus de peps tous les tours. Ouais, c'est vrai. Mais, euh, mais là, c'est vrai que c'est un peu limite. Par contre, si tu le joues à 4. L'emblème il arrive très vite. Hein. C'est plus 1, plus 1, moins 6. Ouais. Donc euh, même si, euh, vu comme ça, il n'est pas incroyable, il bon, faut pas le laisser sur table, quoi. Tu es obligé d'aller le chercher, surtout à 4 ouais. J'ai du mal à le juger, j'ai l'impression aussi que c'est pas très fort, mais... Mais j'aime bien qu'un plein soccer à 3 euh, puisse mmh. faire de la value, quoi. Ouais, ok. Le problème, en fait, étant qu'il est Célestnia, et strictement Célestnia, tu peux pas... es obligé de payer un verre, un blanc. Ouais, tu pas le donc euh, ça fait que c'est dur quoi. les couleurs elles sont pas trop souvent standard on s'en fout un peu à voir on, on va dire que c'est pas puissant ouais euh, là où je le verrais bien potentiellement c'est dans un deck du coup célestien avec une autre couleur pour jouer domaine du coup qui est une mécanique qui revient dans Dominaria qui trigger en fonction du des types de terrains basiques que tu contrôles et qui marcherait bien avec les Triland mm. surtout que on a le triland euh, typiquement Naya donc on pourrait jouer Adjani dans un Naya potentiellement avec des cartes domaine, ça marche bien. On a une espèce de, ouais. de tricolore avec des grosses bêtes. Euh... C'est une carte de deck midrange, quoi, Johnny. Hein. Oui, ah, clairement. Ah ben quand ça ne se protège pas et que ça fait piocher une créature un plein sur le cœur, c'est très ouais. très clair de ce que ça fait, quoi. Ok, bah écoute, à voir. Je ne mm. suis pas très emballé non plus, mais... Ouais. Je ne le disqualifie pas euh, d'office. Après, c'est vrai qu'il y a quand même un côté euh, patate, parce que si tu fais tour 1, tour 2, tour 3, Tour 4 à Gianni, moins 3, je mets un marqueur sur mes 3 bêtes, elles ont la vigilance. Ouais, tu fort, hein. Tu mets une belle phase de sauce, t'as quand même un planeswalker qui n'est pas mort derrière, qui est bien protégé parce qu'elles ont la vigilance. Ça fait des trucs. Mais disons que ouais. tout seul, c'est faible en fait. En fait, j'aime bien on te contrôle le fait que pour 3 manas, tu vas juste jouer une arène phyrexian. Et ouais. du coup, ça va défoncer ton adversaire parce que tous les tours tu vas piocher euh... Arène enfin, Phyrexian, ça mouler, dépend. Tu vas piocher et ton Oppo, bah, vu qu'il n'a pas de board, vu qu'il joue contrôle, bah... Ton plein soccer va rester. Mmh. Et justement, euh, si jamais tu affrontes un deck mine-range ou un deck agro, tu vas le démolir avec le moins 3. Quoi. Ouais. Donc il n'est pas si mauvais, Adjani. Hein. Et ce qui serait bien pour son plus 1, ce serait d'avoir des scry tous les tours pour être sûr de trigger. Bam Bam C'est vrai. Ça marche bien. C'est vrai que ça marche bien. Bah, ouais. En tout cas, euh, c'est sûr que si on joue à Djani, c'est le genre de deck dans lequel tu veux la vigile. Quoi. Ouais. Puisque justement, c'est une carte qui, on dit, ne profite pas tellement au deck agro, mmh. mais plus au deck range. Donc, effectivement, elle va, elle va plutôt bien avec ça, Jenny. Carrément. Euh, nouvelle mécanique, je vais parler d'une commune, du coup, juste pour cette mécanique-là. Euh, ils avaient parlé de marqueurs Evergreen, c'est-à-dire des marqueurs qui vont rester maintenant dans Magic. Et euh, ce seront des marqueurs étourdissement avec la carte bloquer le mouvement. Et j'aime beaucoup. Alors, c'est une mécanique de limiter actuellement. Mais j'aime beaucoup quand même la capacité. Pour deux manas en rituel, on engage une créature ciblée et on met trois marqueurs étourdissement dessus. Et un marqueur étourdissement, en fait, ça fait que quand elle devrait devenir dégagée. Donc, devenir dégagé, hein. on ne parle pas de l'entretien. Donc, si jamais il y a un effet qui fait dégager, ça trigger aussi dessus. On mmh. retire un marqueur étourdissement de la place. Du coup, okay. en fait, on engage une bête et pendant trois tours, elle ne se dégage pas. Ce qui est assez pété pour 2 mana en rituel euh, en limité, il faut le dire. Et en plus, c'est un scry. Hein. Donc, la carte est vraiment pas mal, je pense, en limité. Ok. Et ça, c'est la nouvelle mécanique, du coup, de... qui sera tout le temps dans les... dans les sets maintenant. Enfin, tout le temps. Okay. Elle peut tout le temps y être. Oh, cette rare, tu vas adorer, rival. Alors, le Herd Migration pour 7 mana, c'est un rituel qui a le domaine. Domaine, donc du coup, euh, vous faites l'effet pour chaque type de, de terrain basique que vous avez parmi les terrains que vous contrôlez. Un triome, ça comprend trois types de terrain basiques, donc ça marchera bien dans un format qui a des triomes. Euh, domain, vous créez un 3-3 euh, Vert, bête, créature, token pour chaque euh, type de basique que vous avez parmi vos landes. Et pour 2 mana, vous pouvez euh, discard, donc défausser le Air Migration et chercher dans votre, euh, dans votre bibliothèque un, une carte de, de terrain basique, la révéler, la mettre dans votre main, euh, vous mélangez votre bibliothèque et vous gagnez 3 points de vie. C'est vachement bien comme carte ça. Ah tu trouves Bah pour 2 mana, tu vas fetcher, euh, tu vas fetcher un basique. Bah ouais, mais tu le mets pas en jeu. Non, mais ça permet de fixer ton deck. Euh... Genre pour les stratégies domaine, tu seras obligé de jouer ça. Hein. Ah ouais ah putain je pensais que c'était nul à chier moi. Bah, c'est pas très fort mais disons que si domaine dans un format où pour trigger domaine t'as que des triomes t'as pas de biland, hmm. tu vas bien être obligé d'aller accumuler des d'aller chercher tes terrains quoi. Bah oui mais ça, tu ça peux qui bah, aller... te fait gagner 3 PV. Bah... Tu peux aller chercher puis, que en plus, des basiques quoi. Games, te fait gagner la partie. Justement domaine je pense que ça se jouera avec pas mal de triland pour euh, trigger à fond facilement quoi. Et pas Non les games. Ouais si t'as les 5 euh, couleurs ouais. Bah, je, je crois pas que ça soit fort mais si jamais le plan domaine existe ça passera par cette carte là. Je trouve que ça aurait dû euh, aller chercher un land de le mettre en jeu pour deux quoi et enlever les trois peuvent gagner. Ah ouais mais dans ce cas là tu te retrouves à mettre euh, euh, -grosse, euh, ouais. en format en standard et ils ont dit qu'ils voulaient plus faire des cartes aussi fortes. Ouais mais, mais du coup ça aurait été une bonne carte quoi. Ah bah ça aurait été super fort du coup. C'est prendre grosse tu fais... Avec pour cette mana, je mets euh, je mets 3, 5, 5, ça devient instant staple de magic, quoi. Ouais, après ça reste un gros rituel, quoi. C'est pas non plus euh... non, mais croissance luxuriante, c'est une carte pété de magic. Donc, si en plus derrière ouais. tu lui mets la possibilité pour cette mana de gagner la partie, non, mais genre tu le faisais pour trois, tu vois, pour toi tu vas chercher un land, tu le mets en jeu. Là, le fait que pour deux tu vas chercher un basique, juste c'est un peu, euh... ouais, c'est un peu, c'est un peu pas très bien. Ça participe à la mécanique domaine après, euh, peut-être que domaine ça sera mmh. pas playable en standard, et dans ce cas là, on s'en fout de cette carte, quoi. Ouais. Toi je pour jeu de domaine, mettez moi crop rotation quoi directement. Hop, euh, je, je sacrifie un basique, je cherche un trilandre, ah, là, là, je suis content là. Ouais. Ah cette mythique de merde pour 7 mana euh, qui a la capacité read ahead encore une fois, donc on peut directement choisir quel effet on fait, mais vu que les deux premiers c'est les mêmes, en fait c'est juste tu choisis de faire tout ou de faire le troisième effet. Les deux premiers effets, on regarde les 7 cartes du de Bibliothèque, on peut révéler un permanent non saga parmi elles et le mettre dans notre main et mettre le reste dans un ordre aléatoire en dessous. Troisième effet, on met deux permanents non-saga en jeu depuis notre main. Sans payer leur coût. Euh, c'est 7 mana, c'est une mythique, c'est bidon. Ça fait quand même tous ces nails, hein. Ouais, c'est tous ces nails euh, avec des béquilles hein, quand même. Bah, c'est tous ces nails qui te trouvent tes payoffs avant, avant de les jouer, c'est pas si mal. 7 mana. 7 mana, je pioche une carte parmi les 7 du dessus. Et dans deux tours, attention, je vais les mettre en jeu. Non, mais tu peux aussi 7 mana, je mets deux pâtés. Ouais, mais 7 mana, je mets déjà un pâté, quoi. Donc pourquoi je vais mettre une mauvaise carte dans mon deck alors que je peux juste mettre un pâté que je vais jouer directement Je d'accord avec toi, mais Toussaint Knive, ça a été des cartes qui. Enfin, ça a été des cartes qui ont impacté Magic et qui ont surtout gagné en standard à l'époque, quoi. Ouais, mais Toussaint Naive ça va chercher dans ton deck, pas pour les 7 cartes du dessus. Alors oui, mais ça te demande 9 manas. À la base, c'est 7 mana, je mets un pâté. Ouais, mais tu peux aussi. Enfin, c'est flexible. Alors que là, ça va chercher, mais que dans le top 7. Alors dans le top 7, tu vas sûrement trouver, mais si tu veux ah, trouver oui, des pâtés euh, justement euh, tu vas pas en jouer beaucoup des pâtés donc tu vas pas forcément trouver quoi donc euh... c'est une carte de deck ramp je sais, encore une fois ça dépend si l'archétype ramp est viable si euh, le format est très mid range et peu agressif bah, l'archétype ramp sera viable et ça passera par des cartes comme ça quoi je pense que c'est naze surtout en mythique ça aurait pu être une rare vraiment mais euh... à voir peut-être que je serais surpris de, de ce que fait la carte mais le moi c'est vraiment nul quoi après, ça dépend ouais. les permanents. Effectivement, s'ils mettent deux permanents à 15 mana. Contexte que de la puissance intrinsèque de la carte. Si on parle que de la carte, c'est pas mauvais mmh. comme carte. Genre, typiquement, tu vois, euh, il réédite Colosse euh, de Pestassier dans Bros en soi. Bon, bah, The World Spell, ça commence à être un peu plus sexy. Oh, je ouais. vois, un peu, non, mais peu mais The World Spell, tu me l'enjeux. Mais je veux dire, ouais. en tant que telle la carte, ce qu'elle fait, te trouver ton payoff et te permettre de chiter deux permanents très puissants autour 7. Mmh. Euh, C'est-à-dire que si tu les as déjà en main, bah, 7 mana, tu gagnes la game. Si tu les as pas en main, tu as une carte qui va. De faire de la value et mettre une cloque à ton opo euh, bah dans un deck ramp, c'est ce que tu vas vouloir faire quoi. En fait, ce que je trouve bizarre, c'est ça surtout qui me chiffonne, c'est que quand tu le fais pour le premier effet, donc tu vas piocher un, un pâté, et quand à ouais. ton tour d'après, tu vas faire le deuxième effet repiocher un pâté, bah en fait tu peux jouer déjà un de tes deux pâtés. Du coup, le dernier ouais. effet, bah, tu peux en mettre un en jeu gratuit, mais souvent tu vas en mettre qu'un, du coup, si jamais tu n'en avais pas d'autre en main. Je crois que ce qui va se passer, c'est surtout que tu vas faire directement le deuxième effet pour pouvoir faire le troisième effet le tour d'après. Ouais, du coup tu le pioches et tour d'après, tu le mets en jeu gratuitement cash, si tu l'as pas en main. Ouais, t'en mets même deux quoi. Tu peux mettre deux pâtés plus payer du mana pour un troisième, pour un troisième spell, quoi. Ouais. Ça, ça, ça peut, si le format est très mid-range, ça, ça viendra, faire, ça viendra go big le format et faire des. être un peu le inata opus, tu vois ce que je veux dire mm. Le truc permettre d'écraser ce que fait Midrange quoi. ouais mais genre tu peux pas enfin, pour l'instant tu peux pas le tricher tu vois tu peux pas le jouer plutôt que que cette mana même si tu peux faut... ramper un peu mais il faut ramper quoi ça dépend de à quel point on a des mécaniques rampes dans le format je te dis c'est pas euh... ça dépend beaucoup de ce qu'il y a autour mais si autour on te rend la carte jouable c'est pas si mauvais quoi ouais en tout cas je... ça aurait été bien si ça pouvait prendre des sagas au moins même si tu peux pas les mettre en jeu parce que je comprends le, le problème juste ouais. pouvoir piocher d'autres sagas avec piocher d'autres sagas ouais. Tu vois genre, Typiquement tu fais euh, premier effet, tu, tu pioches une autre saga, donc The World Spell. Deuxième effet, mmh. t'as un port. Troisième effet, tu mets ton port en jeu, et avec tes manas du coup de ton tour, tu rejoins The World Spell. Là il y a un truc. Je suis en mode bon, euh, on peut faire des choses. Mais bon, ce n'est pas le cas. Nat, cauchemar, éveillé Braids qui revient du coup sur Dominaria. On savait qu'elle allait revenir avec le packaging. Et elle est moins forte qu'avant, mais elle est intéressante quand même. Je, je te laisse la lire ou tu veux que je, je lise le, je vais y aller. cauchemar éveillé pour 3. On est une 3-3, créature légendaire et cauchemar. Au début de votre étape de fin, vous pouvez sacrifier un artefact, une créature, un enchantement, un terrain ou un plein soccer. Si vous faites ainsi, chaque adversaire peut sacrifier un permanent qui partage un type de carte avec lui. Pour chaque adversaire qui ne fait pas ainsi, ce joueur perd deux points de vie et vous piocher une carte. Bah, Braid, c'était une carte qui était oppressive, qui demandait à ton adversaire spécifiquement de sacrifier une carte de manière obligatoire. Et donc, du coup, ça permettait d'établir un plan de jeu prison qui va à terme amener à la défaite de votre adversaire. Euh, là, c'est une carte très permissive où ton oppo il va juste dire oh, non, non, vas-y, pioche, je m'en fous. Voilà, C'est nul. Ouais. Euh, et c'est nul. Pourquoi Parce que c'est chaque adversaire. Donc en fait, c'est bien en multi. Parce que du coup, bah, tous ceux qui ne le font pas, bah, ça fait tous les tours piocher 3 euh, oui, oui. cartes et faire partie point de vie. C'est pas. Je, je, comment dire Je juge pas la pertinence en multi des cartes. Non, mais genre, euh, ça se voit que si jamais euh, c'était oppressif ou quoi, ça serait trop chiant en multi. Et en 1v1, ça aurait pu être trop. Euh, là, du coup, en 1v1, ce serait certainement. Moyen, peut-être un bon moteur de sacrifice supplémentaire, imaginons. Euh... C'est un inébranlable sacrifice, mais jamais le payoff, tu vois ce que je veux dire ah ouais, ouais, ouais. Euh, ça. Et, euh, ouais. et par contre, en multi, c'est une bonne carte. Enfin, euh, ouais. ça ouais, fait plus de trois cartes par tour. Euh, si vous pouvez sacrifier des trucs, c'est très bien. Et toi dans vol, tu vas rentrer nat, obviously, mais. Oh même pas, je crois que je rentre pas. Ah ouais. Bah, le faire sacrifier un seul permanent à la fin de mon tour dans vol, c'est naze. Donc. Euh... Ouais. Enfin, je sais pas en tout cas c'est vraiment une très mauvaise natte, ils l'ont pas trop respectée pour le coup. Ouais. Mais ça peut quand même être joué, tu vois, en standard, euh, si tu as besoin de sacrifier un si peu, peu tous les tours, des de cartes qui te permettent de faire des sacrifices. Ouais. Tu vois. Elle sera jamais jouée pour euh... ouais, avec Sol ouais, bon, le canard quand même. Mais tu vois, elle est pas jouée pour les bonnes raisons, elle est jouée parce que ça te permettra de sacrifier des cartes et non mmh. pas parce que son effet de sacrifice est puissant, tu vois. Ouais. C'est ça. Mais au moins, c'est un moteur de sacrifice entre guillemets qui a un bon body. Là où les ouais. moteurs de sacrifice d'habitude sont assez frêles. Tu vois, ça te ouais. permet de ne pas être un peu démuni contre un gros. C'est pas du tout ce qu'on attendait de... de non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ça, c'est nouveau, ça fait plaisir. Il y a 6... D'ailleurs, il y en a que 5, là, alors qu'il y en a 6, en vrai. Il y a 6 pain qui euh, sont dans l'extension. Euh, et ça fait plaisir, c'est des euh, lands, des bilands qui arrivent d'étape. Euh, et si on fait un mana coloré, du coup, parmi les deux couleurs qui peuvent le produire, on prend un dégât, mais on peut aussi ne pas prendre un dégât en euh, nous engageant pour faire un mana incolore. C'est très bon, ça sera joué dans tous les decks, c'est trop bien. Ils sont beaux et c'est des super landes de standard. Mmh. Voilà. C'est ça. Et il y a des petites références, notamment la source sulfureuse. Dans les, le, le dessin de base, il y a un diable qui se baigne dans du goudron. Et là, il y a le crâne du diable. Du coup, genre il est laissé trop longtemps dans la source sulfureuse. Il est mort. Mmh. Donc C'est rigolo. On arrive sur les derniers spoilers. Sphinx of Clear Skies. On a un, un gros Sphinx. 5-5 pour 5. Ward 2. Donc c'est bien. Euh, et qui coûte du coup 5 dont 2 mal à bleu. Il a Domain. Euh, quand le Sphinx of Clear Sky infuse des blessures de commande à un joueur, révélez les X cartes du dessus de votre bibliothèque où X est le nombre de types de terrains basiques parmi les landes que vous contrôlez, d'où la capacité de domaine. Il les sépare en deux piles, votre adversaire, et vous prenez une pile dans votre main, le reste au cimetière. Du coup, même en mono bleu, c'est bien, puisque en mono bleu, vous révélez la carte du dessus, il fait une pile avec la carte et une pile avec pas de carte, et vous piochez juste la carte. Donc c'est tous les tours quand ça touche droit 1 si vous jouez mono bleu. Si vous jouez Azorius, mmh. c'est tous les tours. Quand vous touchez, vous piochez parmi les deux cartes du dessus, une des deux que vous choisissez, du coup. Si tu joues trois couleurs au plus, ça devient très bien. Et que dès que tu joues trois couleurs, là, bon, tu vas souvent quand même piocher qu'une carte, la meilleure et pas les deux autres, sauf s'il n'y a pas le choix à ton adversaire, mais ça commence à devenir vraiment bien. Le domaine, ça raconte aussi qu'on va essayer de jouer cinq couleurs, et si tu joues cinq couleurs, c'est vraiment genre le pâté ultime, quoi. Cinq couleurs, tu vas certainement piocher deux à trois cartes. Donc c'est vraiment bien. Si contre... tu joues cinq couleurs, c'est complètement fumé. Hein. T'as un 5-5 ouais. fly de deux, deux pour mais... cinq. Fiction à chaque fois que tu connectes. Si Domain c'est un vrai plan de jeu construit et pas un plan de jeu draft, euh, tu commences à faire des trucs vraiment vénères. Quoi. Je pense malheureusement qu'en Domain, quand tu peux jouer 5 couleurs, tu vas vraiment jouer euh, l'élixir de tes 5 couleurs et ce Sphinx il m'a l'air un peu faible pour euh, du 5 couleurs. Il a Ward 2. Hein. S'il n'avait pas Ward 2, je serais d'accord avec toi. Ouais, mais Ward 2, en fait Ward 2, quand tu coûtes 5 mana, ça veut dire que ton adversaire il a 5 mana aussi. Les anti-bet ils coûtent généralement 2 ou 3, c'est pas très dur. Ça fait un peu chier, mais genre c'est facile à tuer. Donc. Euh... Si tu le tues pas, euh, derrière tu prends. Ah, par contre, oui, c'est une bête à tuer. Mais en même temps, quand tu joues un drop 5, en créature, généralement c'est une bête euh, importante. J'ai peur que de toute façon, Domain, ça soit pas jouable. Euh, à partir du mmh. moment où on n'a pas de Graveland pour venir sout soutenir les Triland, euh, ça me paraît très compliqué de mettre en place la mécanique Domain, mais je me trompe peut-être. Je pense que cette carte, c'est pas une carte Domain en vrai, c'est plutôt une carte de euh, mid-range lourd ou de contrôle. Ouais, Et contrôle ça reste une bonne carte, mais disons ouais. qu'elle tire sa puissance maximale dans un jeu de mine. Hein. ouais, donc euh, je pense que malheureusement euh, ce sphinx a des chances que ce soit euh, une bombe de limité et ça s'arrête là mais ça, ça, après c'est une bonne carte, donc si c'est joué c'est pas du tout étonnant, mais c'est juste ouais. que là ça, il a le cul entre deux chaises et, et on le dit souvent sur la chaîne et on a souvent raison pour ce genre de carte bah en fait, euh, ouais c'est bien, ça a l'air bien, mais on le met nulle part quoi le, des cartes qui ont le cul entre deux chaises, on va prendre juste les cartes qui sont bien assises avec leur gros cul ouais. sur la grosse chaise, et euh, ça c'est beaucoup. C'est ça, donc, euh, donc à voir. Après, si vous sortez ça dans un an en disant que c'est joué maintenant, oui, peut-être que dans un an c'est joué. Nous on parle actuellement. Je pense que ça dépend beaucoup de si la mécanique domaine est jouable, et la mécanique domaine ça dépend beaucoup de si on a un archétype ramp qui permet de fetcher beaucoup de basiques assez facilement, ou alors si on a d'autres lands que les Pine lands qui, euh, qui ont des sous-types terrain basique. Ouais. Donc c'est pas impossible que cette carte évolue positivement au fil des extensions aussi. Voilà, ouais. À noter. Par contre c'est vrai qu'un deck euh, à base simic domaine avec Sphinx du coup que tu vas ramper et Sphinx tu vas le jouer genre tour 4, typiquement, ouais. là ça commence à être méchant. tu hein. C'est ça. Jouer un tour plus tôt avec fiction. il y a moyen hein, que ça soit bien. Ouais. Je, 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 je l'enterrerai je, je pas cette mécanique à ce Sphinx. Non, je, je, je trouve que aussi que la carte est très bonne. Mais c'est juste que je ne sais pas trop ce qu'on en fout. Quoi. Je suis méfiant, disons, avec ouais. cette carte. Euh, Rada Firebrand, pour 2 mana, on a une 3-1. Euh, je sais pas si c'est à moi ou à toi de lire. Bon, je pas grave, je suis non. lancé. Oui, oui, oui. Quand euh, le Rada Firebrand, du coup, qui suppose qu'il va y avoir Rada aussi euh, dans l'extension, euh, quand le Rada Firebrand attaque euh, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle euh, avec un, une force inférieure à celle de Rada, ne peut pas bloquer ce tour -ci. Et ça, le Domaine pour 6 mana. Euh, Rada euh, de pardon, gagne plus de 2, plus de 2. cette capacité coûte 1 de moins activer pour chaque type de terrain basique que vous contrôlez. Activé une seule fois par tour, bah, c'est un peu bizarre. quoi. C'est une bonne carte de déca gros parce que ça empêche de bloquer ces 3-1 pour 2. Tu de vas difficilement. mais Domain, euh, bah, il y a écrit 6, mais en vrai ça coûtera jamais euh, plus de 5. Puisque du coup, ouais. vous avez vous avez forcément, à euh... ah, quoi que si, si vous avez que des terrains euh, non bases, euh, ouais. ça coûte 6, mais bon, c'est normalement jamais le cas, surtout en standard. Ça coûtera 4 ou 5 dans les decks où tu as envie de jouer à Da Firebrand. Quand ça coûte 4, ça veut dire que tu as deux couleurs. Ça coûte plus de plus 2. De... Ouais, je sais pas. C'est pas excellent. Ouais, on va dire que c'est anecdotique, mais que la carte est puissante de par elle-même de base. Ouais. Il manque un petit peu la, la haste, mais bon. Ouais. Après, ça... le 3 qui empêche de bloquer euh, en, en agro en standard, c'est fort. Tout, ça a toujours ouais. été fort. Que ça soit le Kenra, que ce soit le Ancrop euh, Crasher, je crois. Euh, ouais, c'est ça, 3-2 pour, pour 3. Ouais. Euh, c'est un peu dégueulasse, quoi. Ça te permet de, bah, de finir les games, quoi. Donc, hum. euh... Non, c'est pas mauvais comme carte, juste que. Oui, ouais. c'est bizarre de lui mettre domaine alors que domaine vraiment, je vois plutôt un archétype Ramp plutôt que des archétypes agro. Mais... Ouais, c'est ça. Donc, euh, parce que domaine ça peut être une bonne mécanique de limiter aussi, mais pas sur des rares, quoi. Enfin, sur les rares, c'est des rares, donc tu les as pas forcément. Donc, euh, donc, on verra ce, ce petit radar. En tout cas, imagine qu'il y ait une vraie qui permet de faire au moins un moins un toutes les bêtes et faire gagner des pèves. Radar Ferment, ce serait naze. Parlons ouais. de Nemata Guardiana Primidiana. Alors, euh, c'est une 3-4 pour 4, -4 qui a la reach, donc la portée. C'est une créature qu'un un adversaire contrôle devait mourir, vous l'exilez à la place et vous pouvez créer un, un token 1-1 vers sa Vous pouvez payer un mana vert, sacrifier un sa et euh, Nemata gagne plus de plus qu'à la fin du tour. Et vous pouvez payer deux manas, sacrifier de Saproling et vous pouvez piocher une carte, c'est un sous Kalitas mais euh, qu'on sera peut-être content de jouer en standard si on a si on a besoin d'exiler des créatures, euh, si on a besoin de dans un deck mid-range de, de grinder, de piocher des petites cartes, de créer des petits tokens. C'est pas une mauvaise carte mais ça ça tiendra pas forcément la comparaison avec Kalitas pour les formats comme le pionnier. Ouais, c'est quand même euh, quand même un bon body avec un effet hate un peu de cimetière euh, qui va vous faire du board facilement. Il fait une plus-value à tous vos anti bêtes du coup vos anti ça devient tuer la créature et créer une 1-1. Donc c'est quand même sympa et en plus il a des moyens de s'en servir. Après comme tu dis, bah, il n'y a pas trop le... le côté lien de vie de Calitas, il fait pas des 2-2 de mais des 1-1. bon après on n'a pas Calitas en standard, de toute façon donc on fait avec ce qu'on a. Hein. Non, non, ça, ça. Mais bon, tu vois les gens ils vont forcément faire la comparaison et, ouais. et la comparaison tient pas trop. Mais pour le standard c'est une bonne carte. Ouais, très, très bonne carte. Et en plus il est Pueblo Arboreo, donc c'est encore mieux quoi. Et dans les dernières cartes, du coup, bah, on peut souligner Lightning Strike qui est réédité. Et euh, euh, sonner l'alerte la, sonner qui est du coup euh, réédité plus ou moins en créature. C'est une 1 pour 2. Flash, quand elle arrive en jeu, on crée un token soldat. Donc ça fait exactement la même chose, sauf que c'est une créature et pas un rituel. Ouais, ce qui euh, peut être parfois mieux, parfois moins bien. Voilà, c ça dépend, c'est vous qui voyez. Astor, Bearer of Blades pour la dernière carte. 4-4 pour 4 en Boros, humain et guerrier. Quand Astor Bureau of Blaze arrive sur Shamata, vous regardez le top 7 de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte d'équipement ou de véhicule parmi elles, la mettre dans votre main, mettre le reste en dessous de la bibliothèque dans un aléatoire. Les équipements que vous contrôlez ont équipe 1, les véhicules que vous contrôlez ont crew 1. C'est une bonne petite carte, ça, c'est un bon body. Ça fait tout le temps piocher une carte, vraiment les jours où vous ne piochez pas, c'est vraiment qu'il pleut. Euh, vous pouvez équiper pour 1 et piloter pour 1, c'est cool. Il y a des bons véhicules euh, en standard comme Corbillard et qu'on sera peut-être content d'aller chercher avec Astor potentiellement. Mais bon, c'est plutôt une carte de side le Corbillard, donc je sais pas trop. Ouais. Après, il y a quand même une extension avec, à mon avis, une chier de véhicule qui arrive dans deux mois. Euh, dans trois mois. Donc euh, Astor, s'il n'est pas joué là, peut-être qu'on va le ressortir dans trois mois. À surveiller, ouais. quoi. À surveiller. Actuellement, euh, je trouve que c'est un peu cher en fait. Genre tu veux, tu veux bourriner, du coup, jouer un drop 4 qui te fait ça, c'est un peu tard, quoi. Ouais, ça dépend des, des équipements qu'on va nous sortir et comme tu dis des véhicules qu'on va nous sortir, mais là dans le standard que je vois, oui. ça ne pas vibrer quoi. C'est ça, donc euh, donc à voir. Et ceux qui en parlent pour euh, Hammer, euh, potentiellement jouable en Pionnier ou en Explorer, bon, je trouve ça un peu cher, mais euh, si le format est plus lent euh, et que ça le permet, euh, ce serait cool que ce soit le cas, mais. En pionnière peut-être parce que tu profites de Cigar D'Azade, mais sans Cigar D'Azade, c'est-à-dire donc du coup en Explorer, mm. ça n'arrivera jamais que ce deck-là soit compétitif. Oui c'est vrai qu'en Explorer, il n'y a pas Cigar D'Azade. Euh, en pionnière, on peut se laisser le bénéfice du doute. Laissons-nous le bénéfice, pourquoi pas. Euh, et ça conclut du coup, à moins qu'il y ait de nouveaux spoilers, mais oh Ah bah c'est des, des communes de quoi Ah non il y a une rare, Defiler of Vigor. Pour 5 mana on a une 6-6 Trample, c'est pas mal. Comme coût supplémentaire pour lancer un permanent vert. Ah, bah du coup, c'est effectivement un cycle. Parce que c'est la même chose que le, que le Sphinx. Pour lancer un permanent vert, du coup, on peut payer 2 points de vie et ça enlève un coup de mana vert dans le coup. Et quand on lance un sort de permanent vert, on met un marqueur plus 1 plus 1 sur chaque créature qu'on contrôle. Waouh Putain, le différent pas... vigore. Et le fait que ce soit un permanent vert, c'est vachement mieux qu'un permanent bleu. C'est pété. C'est 6-6 six, six, <laughs> trample pour 5, c'était déjà très bien. Ouais. Warm ça veut dire que je peux le mettre dans volo parce que c'est des types bizarres. Ça n'a aucun ouais. rapport, mais je le dis. Et le fait de pouvoir réduire de 1 mana le coût de tes permanents et en plus de mettre des marqueurs sur toutes tes bêtes, c'est pété. C'est fort. Ça c'est pété ça. Ouais, c'est validé. Mais du coup là le côté je permanent, ça, ça profite mieux de la couleur verte alors que du coup pour le cycle bleu ils auraient mmh. pu faire que ça soit un, un sorcery ça aurait été aussi plus cohérent en fait. Bah ouais. Ou simplement un, un non permanent. Ou un nom permanent Ouais. Je pense qu'ils n'ont pas théorisé jusqu'au bout le, mmh. le, le truc, quoi. Dommage. Ouais. Ok, bah écoutez, ça conclut cette vidéo extrêmement longue. Mais en même temps, il y avait beaucoup de premiers spoilers. On vous refera une vidéo. à la vitesse où ça va, peut-être qu'on fera juste une deuxième vidéo spoiler in tout le top. Ouais. Parce que ça, si, si mes calculs sont bons, ouais, fin de semaine prochaine, on a quasi tout. Mais, euh, mais sinon, on vous fera avec plaisir deux autres vidéos pour qu'elles soient un peu plus digestes s'il y a un peu moins de, de spoilers commentaire, vous commentaires, partagez vos noms. au moment. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout si vous l'avez fait. Euh, réseaux sociaux dans la description Twitter, Facebook, Discord, avec notre chaîne Twitch Valpell Magic Arena, FR. Et surtout, n'oubliez pas c'était de la belle magie. Bien. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.